Madame, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir et de nous retrouver, comme chaque mercredi soir sur France 2. Pour ça se discute. Est-ce qu'on peut prétendre à l'éternelle jeunesse? C'est la question que nous posons ce soir. Nous essaierons d'y répondre. Nous allons parler ce soir donc de ce qui est sans doute le fantasme le plus ultime de l'être humain, le secret, ou plutôt, nous le verrons, les secrets, s'ils existent, de l'éternelle jeunesse. En termes de longévité, l'espèce humaine a végété pendant des siècles et des siècles, et puis tout d'un coup, au XXe siècle, nous avons décidé d'arrêter de mourir. Depuis 100 ans, l'espérance de vie a autant progressé que pendant les 5000 ans précédents. Nous avons gagné 25 ans d'espérance de vie en un siècle. Il y avait un millier de centenaires en France en 1970. Il y en a aujourd'hui 6000, dont deux sur ce plateau. Et on en prévoit 150 000 en 2050. Inutile de dire que cela concerne beaucoup d'entre vous. J'espère même beaucoup d'entre nous. Il va donc falloir arrêter de plaisanter avec la phrase de Woody Allen qui dit que l'éternité, ça dure longtemps, surtout à la fin, car à la fin de l'éternité, nos enfants devraient pouvoir envisager de l'approcher. En tout cas, nos invités défendront ce soir l'idée que l'on peut prétendre à une jeunesse qui, comme les piles, dure vraiment plus longtemps, avec l'idée, comme le dit le docteur Jagger, que l'on peut vivre vieux et mourir jeune en même temps. L'allongement de vie pose évidemment des questions d'ordre éthique, des questions d'ordre médical auxquelles nous essayons de répondre avec nos invités, avec Émilienne Lefebvre notamment. Bonsoir madame, bienvenue. Vous êtes née en 98. Oui monsieur. Vous avez donc le siècle, Émilienne. Oui. Vous n'avez pas besoin de lunettes de vue, m'ont signalé le coiffeur et la maquilleuse. On dit un peu comme ça, etc. Ah. Vous étiez très au point. Nous verrons avec vous qu'on peut d'ores et déjà vieillir sans trop d'altérations physiques et intellectuelles, sans prendre d'hormones. Vous ne prenez pas d'hormones, vous, madame, hein? Non, pas à votre connaissance. Mais vous grimpez toujours aux échelles. Vous nous direz vos secrets. Alors, vos secrets de grand-mère, vos secrets d'arrière-grand-mère, même, Émilienne. Oui, arrière-grand-mère. Pour être en forme. Oui. Aussi longtemps. Janie et Jean Durand sont également nos invités. Bonsoir Janie, bonsoir Jean. Vous êtes en quelque sorte des syndicalistes, ou en tout cas des spécialistes du corps et de l'esprit. Vous nous raconterez comment vous luttez sans merci pour la préservation des avantages acquis de la jeunesse. C'est pour ça que j'utilisais le terme de syndicaliste. Vous prenez, vous, des hormones, tous les deux? Oui. DHEA, mélatonine ou d'autres? Oui. D'accord, on en parlera évidemment beaucoup dans cette émission. À vos côtés, monsieur Olivenstein. Bonsoir Claude Olivenstein. On vous connaît comme médecin spécialiste de la toxicomanie. Ce soir, vous nous direz quelles angoisses font naître chez vous la naissance de la vieillesse, qui est le titre de votre dernier bouquin. Vous nous direz aussi pourquoi, à l'inverse de vos voisins qui vous entourent, vous ne faites rien pour contrecarrer les effets de la vieillesse. Notamment, on voit vos mains reposer sur votre ventre. Vous préférez les viandes en sauce aux fibres que vous propose votre femme, si j'ai bien compris. Tout à fait. Nous écouterons aussi donc de nombreux spécialistes. Ils nous diront si on peut espérer battre le record mondial de Jeanne Calment, de 122 ans. Avec eux, nous essaierons de savoir si l'alimentation influe réellement sur la durée de vie et si les nombreuses hormones anti-vieillissement sont vraiment efficaces. On parlera donc de mélatonine, de DHEA, de restriction calorique. Certains la pratiquent, 1200 calories par jour au lieu de 2200. Enfin, nous passerons en revue les différents produits qui s'injectent, comme par exemple les injections de foie de fœtus de mouton. Mesdames, Messieurs. Voilà donc pour le menu de cette émission. Je vous présente maintenant celle qui fera ce soir office de chroniqueuse, qui viendra tout à l'heure conclure notre émission. Elle est comédienne. Son dernier film était en compétition à Cannes et a reçu un accueil formidable. Il est sorti sur les écrans mercredi dernier. Il s'agit du Temps retrouvé de Raoul Ruiz, d'après l'œuvre de Marcel Proust. Je vous demande d'accueillir Marie-France Pizier qui est avec nous, mesdames, messieurs. Bonsoir, Marie-France. Marie-France, comme tout le monde, comme toutes les femmes et comme tous les hommes, vous vous posez forcément la question du vieillissement. Est-ce qu'on doit l'accepter? Comment on doit l'accepter? Et est-ce qu'on doit contrecarrer aussi ce qui est inéluctable, a priori? Quelle est votre position de principe sur cette question? Écoutez, moi, je pense que ce qui est formidable dans l'histoire, c'est quand même la liberté qui nous est offerte. Il y a des gens qui ont absolument le droit de s'en fiche complètement, et il y en a d'autres qui ont le sentiment que c'est nécessaire d'en tenir compte. Et ce que je trouve très beau dans l'histoire, dans l'idée aujourd'hui de la prolongation de la vie, c'est quand même le côté transgénérationnel, parce que je pense que les jeunes aujourd'hui ont absolument besoin d'avoir un contact comme ça avec des gens plus âgés qui ont eu une expérience très très longue, et je pense que ce qui peut s'articuler entre eux, c'est quelque chose qui est très important pour la société à venir. Alors on parle de longévité, mais aussi on parle d'accroissement de la durée de la jeunesse, si on
on peut dire, quoi. Pas l'éternelle jeunesse, il faut bien trouver une expression, évidemment, qu'elle n'est pas éternelle. Oui. Mais on verra, vous verrez des images assez étonnantes d'une personne, par exemple, de 70 ans, comme M. Bob Jones, qui est présent sur ce plateau. Bonsoir, M. Jones, et qui a l'air d'en faire 48-50 maximum. Good evening, sir. Je vous présente maintenant nos invités, dont Bob, à qui nous avons consacré un reportage. On va commencer par Madame Déa Chalet. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Madame Chalet, vous faites partie des invités à qui nous avons consacré un reportage. Vous nous expliquerez d'abord comment vous avez eu, dès 40 ans, l'impression de vieillir, de n'être plus une femme jeune, comme vous l'étiez avant, une sensation en tout cas. Et vous nous parlerez, vous aussi, de ces piqûres de foie de fœtus de mouton que l'on pratique dans une clinique en Suisse, où vous êtes allée pour la troisième fois, c'est ça? Deux fois. Deux fois en tout? Oui. Donc pour la deuxième fois, nos équipes vous ont accompagné pour essayer de comprendre comment se passent ces cures, qui sont chères, 65 000 francs la semaine, et d'où vous ressortez visiblement heureux, sans toutefois en mesurer complètement les effets sur votre métabolisme. Un extrait de ce reportage qu'on verra un peu plus tard en intégralité. Si vous administrez à des souris en laboratoire que vous groupez de l'extrait de foie de fœtus de mouton, elles vivent 50% plus longtemps. Vous augmentez la longévité de ces souris en ne changeant rien dans leur environnement, en ne changeant rien dans leur nourriture. Elles vivent, au lieu de vivre 24 mois, elles vivent 36 mois. La clinique de la Prairie à Montreux en Suisse est renommée dans le monde entier pour sa technique dite de revitalisation. Les patients y subissent des piqûres de foie de fœtus de mouton censées rendre à l'organisme sa vitalité. C'est la troisième fois que Déa Chalet, 71 ans, vient à la Prairie pour le mouton, mais aussi pour faire un bilan de santé et profiter des soins corporels anti-vieillissement. Est-ce que vous avez peur de vieillir? Moi? Oui. Plus, puisque je suis déjà vieille. C'est fini, ça. Est-ce que vous aviez peur à leur vieillir? J'y ai pas pensé. C'est venu tôt d'un coup. Ça vous arrive à quel âge? Oh, je me souviens plus, alors ça fait peut-être 40 ans. Vous exagérez, là. 40 ans? Bah, j'ai trouvé bien vite, moi. Voilà, donc on verra le résultat de cette cure. Enfin, si vous êtes retourné pour la deuxième fois, c'est que vous avez sans doute de bonnes raisons. Tout à fait. Vous y croyez? Oui. J'y suis allée une fois en convalescence, parce que quand je ne suis pas très bien, je trouve que c'est un endroit extraordinaire pour vous revigorer, vous remettre sur pied. Monsieur Bob Jones, rebonsoir. Vous faites partie des nombreux Américains qui suivent traitement à base d'hormones de croissance. Vous êtes venu spécialement de Palm Springs en Californie pour nous en parler ce soir sur ce plateau. Nous étions chez vous la semaine dernière pour essayer d'estimer donc les effets de ces hormones de croissance que vous prenez depuis combien de temps maintenant? Oh, I've been taking them for je les prends depuis 5 ans maintenant. Depuis 5 ans, ces hormones de croissance, quelles influences ont-elles sur votre métabolisme? Il faut dire qu'il n'y a pas que ça, vous faites aussi beaucoup de sport, près de 4 heures par jour. Un extrait du reportage que nous avons tourné donc la semaine dernière à Palm Springs et à Los Angeles pour cette discute. Bob habite Palm Springs, dans le désert de Californie. À 70 ans, il est en pleine forme, tout ça grâce au traitement à base d'hormones de croissance qu'il suit depuis 5 ans. J'ai été pas capable de faire ça il y a 5 ans. Il faut manipuler ça le plus doucement possible parce que les hormones de croissance sont délicates. Je fais ça deux fois par jour, le matin d'abord et le soir avant d'aller me coucher. En s'injectant des hormones de croissance, Bob allonge sa durée de vie. Une réelle préoccupation en Californie, où nous avons aussi rencontré à Los Angeles des adeptes de la restriction calorique qui mangent moins pour vivre plus vieux. Démonstration avec un jus de légumes. Au début, il a fallu que je m'habitue à la sensation de faim. Mais aujourd'hui, ça ne me pose vraiment plus de problème. J'apprécie même la nourriture et je mange à ma faim. Dans quel but avez-vous commencé la restriction calorique? Je voulais vivre plus vieux, plus longtemps. Voilà, donc c'est un monsieur qui espère donc vivre 100 ans en ne consommant que 1200 calories par jour. On verra ce que nous disent les médecins sur ce point. Je vous demandais maintenant d'accueillir un monsieur et de lui souhaiter peut-être un bon anniversaire par avance, puisque monsieur, vous aurez 100 ans en l'an 2000. Je pense que ça mérite qu'on lui dise bonsoir. Bonsoir, monsieur Schaap. 100 ans en l'an 2000. Ça, c'est un contron, hein. Ça, c'est impec. Impeccable. Qu'est-ce que vous allez faire pour vos 100 ans en l'an 2000? Oh, ben je continuerai.
Non, mais pour votre anniversaire. Continuerai ce que je fais. Pour votre anniversaire. C'est-à-dire beaucoup travailler, faire des conférences. Et le jour de votre anniversaire, vous allez faire quoi? Bon, le jour de mon anniversaire, en famille. Un bon repas en famille, ça oui. Avec notamment votre fils de 72 ans. C'est le seul cadeau que je souhaite. Un bon repas en famille. Vous donnez des conférences, vous faites votre ménage tout seul, vous lisez, vous écrivez, vous faites des traductions grecques et latines, et vous avez même trouvé la force, alors ça c'est difficile, de recevoir nos reporters, je vous en remercie, Caroline Coldéfi et Jean-René Chaperon qui ont passé une journée avec vous pour comprendre quelle peut être la vie d'un centenaire bien entretenu et qui conjugue en fait l'addition de trois facteurs, l'entretien spirituel, l'entretien intellectuel et l'entretien physique. Physique. Marcel, voici le reportage pour commencer cette émission. Je vois mon courrier. Alors ça, c'est mon agrément de tous les jours. Là, je suis content de trouver du courrier. Et je ne suis pas content quand il n'y en a pas. Marcel Chap est né le 31 mai 1900 à Marseille, à la retraite depuis 26 ans. Il a perdu sa femme il y a 14 ans. Depuis et malgré ses presque 100 ans, il vit seul. Vous étiez sportif dans votre jeunesse? C'est-à-dire, je suis sportif sans l'être. Je n'ai jamais voulu être sportif. Mais avec ma femme, tous les dimanches, sac au dos, les excursions. Alors ceci, voilà. Ceci, c'est la photo de ma femme. Et je l'ai faite faire d'après une photo de 26. Alors, je lui parle tous les jours. Elle est avec moi tous les jours, voyez-vous. Je lui parle tous les jours. Et quand j'ai un problème, je le lui expose. Et que de fois, elle le résout d'une façon extraordinaire. Extraordinaire. Ce sont les meubles de notre mariage. Alors, j'ai reconstitué notre chambre telle que nous l'avons toujours eue avec ma femme. Par conséquent, je n'ai pas changé de vie, voyez-vous. Depuis qu'il est seul, Marcel se prend totalement en charge. Tous les lundis, quoi qu'il arrive, il fait son ménage de fond en comble pendant une heure et demie. Vous n'avez jamais eu envie de demander à une femme de ménage de vous aider? Jamais. Non seulement je n'ai jamais eu envie, mais je n'en veux pas. Or, inutile d'insister. Pourquoi vous n'en voulez pas? Mais parce que je suis libre. Comment ça? Je fais ce que je veux, etc. Allez, on y va. C'est pas une fatigue. C'est un exercice physique qui me rend plus fort après qu'avant, comme ça. Le jour où je ne pourrais plus le faire, ça oui, je serais malheureux. Joseph, le fils de Marcel, lui, a 72 ans. Il vient souvent voir son père pour prendre de ses nouvelles. Allez, à la décennie à venir. Allez, voilà. Ben, il est parti mauvais comme ça. Oui, il est bon, il est bon. Peut-être un peu trop sucré. Oui, peut-être. Oui, légèrement, mais il est bon. Mais c'est qu'il a pris un peu de bouteille. Le père et le fils aiment discuter ensemble, mais ni l'un ni l'autre n'ont envie d'évoquer la mort. Oh, ben, écoutez, ça, on ne se pose pas le problème. Hein. On vivra longtemps, le plus longtemps possible. Ça, c'est pas un problème qu'on se pose. De toute façon, dans la famille, nous avons des antécédents. Oui, oui, oui. Ça vous épate pas de voir la bonne forme dans laquelle est votre père? C'est une chose à laquelle, que je trouve normale et qui coule de source, étant donné, je vous dis, tout ce qui s'est passé avant dans la famille. Ma femme est morte à 90 ans, mais ma mère est morte à 99, ma grand-mère maternelle à 102 et une maison à 105. Alors, ben, nous battrons les records, et puis ça est, maintenant, les records iront jusqu'à, je ne sais pas quelle année, j'en sais rien. Ce sera encore loin, nous avons le temps d'y penser. J'ai dit à mon docteur, je ne serai jamais vieux. Non. Le mot vieux, il faut l'effacer du vocabulaire. Tous les soirs, Marcel se prépare tout seul son dîner. En revanche, le midi, il va déjeuner au restaurant du 3e âge de son quartier. Un rendez-vous quotidien où il retrouve ses amis et sa place à table. Ça va, Jean? Je trinque avec de l'eau, monsieur Chap, ça vous fait, hein? Allez. Je trinque avec de l'eau. Allez, moi. Mangez un régime particulier, monsieur Chap, pour rester en forme comme vous? Quel régime?
Le régime de tout le monde. Il ne me fait pas de régime. Non, non. Mais vous mettez le sucre dans le café. Ah, ça, c'est le plus mignon. Il y en a trois. Hein? Quand c'est à quatre. Trois, oh là. Café au lait. Ah, oh, le café, là, là. Trois. Trois, le café. Ah. Allez, alors vous allez voir cette transplantation savante. Je fais. Voilà. Voilà, côté un transvide. Et sans trembler. Chaque jour, matin et soir, pendant au moins 3 heures, Marcel travaille. À 99 ans, il est toujours passionné d'histoire. Et régulièrement, il donne des conférences au comité du Vieux Marseille, un moment qu'il ne manquerait pour rien au monde. La conférence, alors là, je suis aux anges, au 7e ciel. Ça, c'est ma raison de vivre. Ah oui, c'est ma raison de vivre. Ça, oui. À quasiment 100 ans, Marcel ne va chez le médecin qu'une fois par mois pour une simple visite de routine. Vous n'êtes jamais malade? Non. Jamais malade, jamais mourir. J'ai pas le temps de mourir. J'ai trop de travail. 65-37. C'est des médicaments pour quoi? Un peu d'hypertension, pour la, puis pour bien oxygéner le cerveau. Mais vous voyez, ça lui réussit parfaitement. Je prends un remède pour la mémoire depuis de nombreuses années. Il le faut parce que, comme dit le docteur, si vous ne soignez pas la mémoire, les cellules du cerveau s'atrophient et il n'y a pas moyen de les récupérer. Alors il faut les précéder. Alors c'est ce que je fais. Je les précède. Voilà donc le reportage de Caroline. Ça, Marcel. Vous êtes très croyant, on l'a vu. Vous espérez vivre jusqu'à quel âge? Comment? Vous espérez vivre jusqu'à quel âge? Oh, ça, de longues années encore. C'est-à-dire? Oh, sans continuer. Tant que je pourrais. D'accord. 20, 25 ans, 30 ans, 50 ans. Allez, du record dans l'air, alors. D'accord. Quelle différence faites-vous, je vous en prie, quelle différence faites-vous dans votre corps, dans ce que vous ressentez, entre avoir 60 ans, avoir 80 ans et avoir 100 ans? Rien. Oh, vous sentez exactement pareil qu'à 60 ans? Non. Je ne veux pas dire que j'ai 60 ans, que j'ai la force de 60 ans, mais enfin, quand même, je ne trouve pas une différence extraordinaire. Et vous, Emilienne? Oh, si. Oh là là. C'est-à-dire? Si, déjà de l'année dernière à cette année, je trouve que je suis moins forte. C'est l'année de vos 100 ans qui... Ah oui. C'est peut-être psychologique alors? Je vais en avoir 101 le mois prochain. Ah oui. 101. Ça vous fait quoi? Ça me fait peur plutôt. Qu'est-ce qui vous fait peur? Quoi que j'aime la vie, j'aime sortir, j'aime les autres, j'aime la vie. Et je ne voudrais pas la quitter non plus. Votre gymnastique à vous, votre gymnastique quotidienne, c'est... Bouger. Je vais dans un club de personnes âgées. Votre sport, c'est la belote, en fait. Hein. Oui, ouais. C'est la belote. Et puis, tenir ma maison, m'occuper de tout ce qui se passe chez moi. Vous avez une aide à la maison, quelqu'un qui vous aide pour le ménage, vous vous débrouillez toute seule? Une femme de ménage, une fois par semaine. Vous faites vos courses toute seule? Toute seule. L'espérance de vie d'une femme aujourd'hui, c'est à peu près un petit peu plus de 80 ans. Entre 80 ans et 100 ans, quelle est la différence fondamentale? Entre avoir... Moi, j'ai trouvé de la différence. J'aime autant la vie, si vous voulez. Je ne peux pas m'imaginer que j'ai 100 ans. Je ne peux pas. Mais malgré tout, je me sens beaucoup moins forte. C'est physiquement, surtout. Ah oui. Et intellectuellement? Alors maintenant... Ah non. Ça, j'écris, je lis, je joue aux cartes très bien. Ça oui. Vous trichez? J'aime. Comment? Vous trichez? Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Ah, non, j'aime pas tricher. C'est pas l'esprit. Vous me disiez tout à l'heure que vous aviez peur. Peur de quoi? Ben, c'est-à-dire que je suis un peu nerveuse et autant j'aime la vie, autant je suis forte pour la supporter, autant j'ai peur de l'avenir. Je ne voudrais pas m'en aller, moi, tellement j'aime la vie, encore à mon âge. Donc vous avez peur de la mort? Ah oui. Ouais. Vous y pensez en quels termes? Je ne sais pas, parce que je ne sais pas. Vous êtes agnostique ou croyante? Ou athée? Non, croyante mais pas pratiquante, mais croyante. Croyante? Oui. Croyant et pratiquant, vous, hein? Marcel, croyant et pratiquant, disais-je. Moi, je n'ai pas peur.
Vous n'avez pas peur, vous? Non. Mais en termes de force physique, qu'est-ce que vous ne pouvez plus faire aujourd'hui que vous pouviez faire avant, par exemple? Oh ben, c'est-à-dire du sport. C'est-à-dire aller dans les collines, sac au dos, etc. Ça. Il faut vivre avec ce qu'on a, mais on vit bien avec ce qu'on a. On vit très bien avec ce qu'on a. C'est un sage, moi je ne suis pas si sage. Il ne faut pas chercher à battre des records, ça, ça. Vous voulez dire par là que vous êtes polissonne? Je l'étais peut-être. Oui, pas si sage, c'est-à-dire pas aussi tranquille, pas aussi sereine? Non. Non. Vous aimez l'imprévu? Oui, assez. Oui. Je suis toujours curieuse de ce qui va se passer. Donc vous aimez découvrir la vie telle qu'elle se présente, quoi. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques clés, Émilienne? Je sais que ça doit être difficile à dire quand on vit de l'intérieur, mais quelques clés pour réussir à atteindre la fameuse barrière des 100 ans? J'ai toujours aimé la vie. Et j'ai eu la chance d'avoir une bonne santé, si vous voulez, sauf quelques écarts. Mais j'ai eu une bonne santé, j'ai des parents qui sont morts à 90 ans, qui étaient très courageux et qui jusqu'à leur dernier souffle ont travaillé. C'était des creusois très durs au travail. Et puis, j'ai aimé la vie et les gens. J'adore les gens, j'adore parler, j'adore m'instruire, j'aime la vie. Est-ce que vous fumez, par exemple, Emilia? Ah non, j'ai jamais fumé. Vous droguez? Non, plus. Non, non. Vous buvez? Non, mais j'aime le vin rouge. Vous aimez le vin rouge? Vous en buvez à quelle... dans quelle proportion et à quelle fréquence? Oh, un quart peut-être. Un quart par jour? Oh, pas par jour, ça dépend des repas. Et vous? On voit un peu lever le coude. Ni je bois, ni je fume. Ni vous buvez. Ni je me drogue. Mais vous n'êtes pas crédible, Marcel. Là, c'est comme si vous disiez je fume et je me drogue. On vous a vu boire dans le film. Oh oui, mais ça, c'est pas de la drogue. Moi, j'aime c'est bien du vin de noix. Oui, c'est alcoolisé. Alors, du vin de noix que j'avais de côté depuis 2 ans. Et alors, c'est mon fils qui l'a débouché à cette occasion. D'accord. Vous en buvez régulièrement de l'alcool? Oh non, pas du tout. Vous avez fait attention à ce que vous mangez pas tout au long tout. De votre vie? Non, rien. Non. Et vous suivez des régimes particuliers? Justement, je ne me porte pas toujours bien parce que je ne fais pas attention à ce que je mange, je suis gourmande en plus. Ah bon? Ça vous permet... J'aime ce qui est bon. Vous aimez ce qui est bon? C'est bien. Alors vous savez qu'habituellement, à un âge avancé, Emilienne et Marcel, généralement, ce sont les enfants qui s'occupent de la santé de leurs parents, oh, quand oui, on arrive oui. à un certain âge. Comment vous avez réagi, vous, quand, à l'inverse, si je puis dire, votre fils a eu un infarctus, alors que vous n'avez jamais eu de crise violente? Chacun a ce qui doit avoir dans la vie, mais vous savez, ce n'est pas obligatoire que ça passe de l'un à l'autre. Pas du tout. D'accord. C'était pas le sens de ma question, mais ah, c'est. Non, mais. Ça vous a... Je sais pas, ça doit être surprenant pour un papa de mais voir oui, que. Mais oui, ça d'accord. Que ça son d'accord. fils a une maladie oui, de vieux, entre guillemets. Il s'en est très vite revenu de ça. Il tient une vie normale comme nous autres nous avons. Aussi bien il va en voiture très loin, etc. Il se dérange. Il va en Allemagne, il va en mais Autriche. Là, vous en parlez comme si c'était votre père. Là. Oui, c'est ça. Oui. Et bien voilà, c'est ça. Oui. Qu'est-ce que vous voulez. Oui. C'est comme ça. On est la même chose, tous les deux. C'est-à-dire? Ah ben, c'est-à-dire, bon, on vit. Il n'y a plus de père et de fils, alors, Joseph? On vit. Intensément. De... Très bien. Intensément. Joseph, il n'y a plus de père et de fils? C'est comme deux frères, alors? Presque. Vous avez 72 ans? 71. 71. On m'a donné un an de trop. Excusez-moi, je le reprends. Je le prends pour moi-même. Tant pis, est-ce que vous faites encore engueuler par votre père? Non. Est-ce que vous le grondez, vous, à votre tour? À peine. On a vu qu'il y avait dans votre famille un facteur d'hérédité, hein, clairement, sur la longévité. Est-ce que oui. vous préparez, vous aussi, maintenant que vous avez totalement épongé cet infarctus, à vivre centenaire? Je ne me prépare pas, je laisse aller. Hein. Vous espérez? Il n'y a pas à se préparer, hein. Mais on peut espérer. Ah oui. Vous y pensez? Espoir. Ah ben bien entendu. Vous en avez envie? Ben oui, pourquoi pas. Il y a des chances. Mais tout le monde n'en a pas envie. Hein. Ah oui. Vous voyez que dans la famille, on ne se fait pas de soucis pour ça. D'accord. Ça vient sans qu'on y pense. Vous dites, Emilienne? Ça vient sans qu'on y pense. Ça vient sans qu'on y pense, oui. Voyons. Vous êtes totalement autonome? Oui. Complètement. Le jour où vous le serez moins, qu'est-ce qui va se passer alors? Ah, c'est ça, c'est mon problème. Alors je ne veux pas ennuyer mes enfants, je désirerais finir mes jours chez moi, me faire soigner, c'est possible maintenant, ça dépendra. Si c'est pas possible, ben, je serai comme tout le monde. C'est-à-dire? Ben, rentrer quelque part, mais ce serait la dernière chose que je voudrais faire. Michel Allard va nous rejoindre, il est médecin et gérontologue. Venez Michel, sous les applaudissements du public, 102, pour mettre un peu d'ambiance. Madame, en face. Gérontologue.
Michel, ce qui est intéressant, c'est que vous avez conduit la plus importante étude menée à ce jour auprès d'un échantillon de 900 centenaires en France. Oui. Derrière vous, un bouquin que vous avez écrit qui s'appelle « Longévité, mode d'emploi », ça nous intéresse ce soir. Combien y a-t-il de centenaires en France aujourd'hui? 6 000. On ne sait pas exactement, mais entre 6 000 et 9 000 aujourd'hui. Voilà. Et dans le monde? Dans le monde, je ne sais pas. C'est... En tout cas, en Europe, ça se compte, on doit arriver à 500 000. Oui, actuellement, c'est tout à fait nouveau. Les centenaires sont de plus en plus nombreux. Ça, c'est un phénomène tout à fait récent, depuis 50 ans. Et le phénomène s'accélère si on jette un coup d'œil sur le graphique qui est derrière vous? Exact, oui. Ben, on voit très bien, oui, au début du siècle 118, on les logeait ici, et juste à la fin du siècle... Jusqu'en 70, on pouvait encore les loger dans le studio. Ouais. Oui, ça reste très bas. Entre 62 et 70, disons. Voilà. Et puis quand on arrive en l'an 2000, là, demain, 10 000. 10 000 centenaires... Cette année, pratiquement. 10 000, ça commence... Vous voyez, on est passé de 200... Et quasiment le double 10 ans plus tard, puisqu'il alors, y a... Alors, 10 ans plus tard, le double. Oui, c'est ça, 24 000, et surtout dans 50 ans, 150 000. Alors, dans 50 ans, ça paraît très loin, mais c'est les gens qui sont quinquagénaires. C'est les gens de 50 ans aujourd'hui, ça sera les centenaires en 2050. Et là, actuellement, ça va être une règle. Ce qui était une exception devient une règle. Ceux qui ont 50 ans aujourd'hui... Parmi eux, 150 000 vivront au-delà du siècle. Voilà. Sommes-nous là aussi champions du monde en termes de nombre de centenaires ou simplement parce qu'on a le record de jeunes calmants? On a le record absolu. La seule personne homologuée aujourd'hui ayant dépassé 120 ans, c'est Madame Calmant. Alors les Français, on parle souvent des Japonais, ils n'ont pas beaucoup de centenaires parce qu'ils sont mis tard dans la longévité. Ils ont une belle espérance de vie, mais peu de centenaires. Les Français sont très bien classés avec les Suédois, les Suisses, les Islandais. On est dans les meilleurs du monde. Les femmes. Les femmes plus. La femme française. L'homme français, il est moins bon. Pourquoi? Alors bon, ça, c'est un... Si on extrait la Grande Guerre, si on extrait les facteurs de la Deuxième Guerre mondiale également... Ce soir, vous venez de montrer quelque chose de tout à fait remarquable. C'est-à-dire qu'on a... 4 centenaires femmes pour un centenaire homme en moyenne en Europe. La France, c'est moins bien parce qu'on a eu la Grande Guerre. Mais on ne sait pas pourquoi. Donc l'homme meurt plus souvent, plus fréquemment, plus tôt. Mais quand on regarde un homme centenaire et une femme centenaire ou une moyenne, on ne sait pas pourquoi. En général, l'homme centenaire est en meilleure forme, physique et mentale. Ce soir, c'est un peu ce qu'a exprimé madame, que monsieur Chappe, il est plus vif, vous l'avez vu, il a un tonus plus fort. Je pense qu'intellectuellement, moralement, vous avez le même esprit de vie, espoir de vie, envie de vivre. Ils sont tous les deux autonomes. Tous les deux autonomes, mais monsieur Chappe nous paraîtrait, en oui, plein bon sens, plein, plein de vie, oui. Plus fort. Vous êtes d'accord, Emilienne? Oui, je suis d'accord. Ah, moi, j'ai pas l'impression, moi. Ah, si, croyez-moi. Je le fais quand même physiquement, mais j'ai l'impression que j'ai moins de force que lui. Oui, maintenant c'est un peu vrai, les hommes... C'est un peu ma nature, vous savez, j'ai une nature plutôt timide, si vous voulez. J'ai l'audace des timides, comme je vous ai dit. Mais je suis plutôt timide, dans le fond. Ah bon? Mais sans ça, la force ne me manque pas, je fais ce que j'ai à faire, et puis je suis têtu, dit mon fils toujours. C'est pas de la volonté, c'était têtu. Ben, c'est la vérité, je suis têtu et ça me sert de volonté. Vous êtes timide, mais ça passera avec l'âge, je verrai. L'espérance de vie évolue également, on a une nouvelle courbe derrière nous, on voit que les hommes sont à la traîne. Alors, oui. Beaucoup moins vite, hein. Les hommes ont 10% de décalage, c'est clair. Alors ce qu'on croyait, c'est que les femmes qui commencent à fumer, à travailler, à boire, à stresser, allait diminuer, et en fait, tous les démographes disent que les femmes gardent la distance. Mieux pour les femmes, parce qu'elles boivent, parce qu'elles fument. Plus que les hommes? Ah oui, maintenant. Ah. Oui, mais alors, les chiffres qui sont là derrière montrent que les femmes creusent l'écart en termes sportifs. La différence reste, on n'arrive pas, les hommes en France n'arrivent pas à les rejoindre. D'après l'échantillon que vous avez étudié, quels sont les traits communs, les points communs aux personnes qui dépassent le siècle? Eh ben, on l'a vu un peu ce soir, c'est une envie de vivre. Une joie, peu de soucis d'avenir, ou les soucis qu'on pourrait avoir, on les évacue. On n'en parle pas, mais on reste très optimiste. On reste plus... Non, Emilienne dit j'ai des soucis. Oui, mais vous les gérez très bien. Vous arrivez à les dominer. Oui, dans l'ensemble, oui. Vous ne vous laissez pas dépasser. Non. Voilà, non. Ça c'est... Eh bien, il y a des gens, à un moment ou à un autre, ils se laissent dépasser. Oui, je suis gémeaux, alors je vais vite remonter. Hein. On a bien le facteur astrologique, évidemment. On a des centenaires de tous les signes astrologiques. Il y a un optimisme, c'est des gens tournés vers l'avenir. Ils ne sont pas sans cesse à ressasser ce qui s'est passé de bien ou de mal. Dans mon temps, etc. Ouais. Ils sont plus tournés vers l'avenir que tournés vers le passé. Ouais. Quelle est la part de génétique et donc d'héréditaire dans le fait de devenir centenaire? On a bien vu, M. Joseph Chappe, là, tout à l'heure, le fils...
qui, on voit bien que ça, pour un monsieur de 71 ans il fait, et qui a eu un infarctus du myocarde, il ne fait pas si vieux que ça. On voit bien qu'il y a un facteur. Et puis, dans les ancêtres, il y avait plein de gens qui ont atteint des âges élevés. Néanmoins, alors ça, tout le monde qui n'a pas des centenaires dans sa famille, il va dire, ben, je n'ai pas de chance. Mais néanmoins, indépendamment de l'hérédité, il y a une évolution qui concerne tout le monde, qui est l'évolution qu'on a ces derniers temps du nombre de centenaires. C'est ça, c'est des facteurs environnementaux. C'est la nourriture, le climat, les conditions de vie qui font que d'un seul coup, on vit plus vieux. Ouais. Donc l'hérédité, elle a une certaine importance, mais à mon avis, moindre aujourd'hui que les conditions de vie. Vous nous parlez d'état d'esprit, on va maintenant parler de physique, de métabolisme pur, on va parler de ces fameuses hormones de croissance. Et on va parler de différents produits qui sont aujourd'hui pas distribués en France, mais qu'on trouve quasiment en vente libre aux États-Unis. Par exemple, la DHEA, cette molécule isolée par le professeur Beaulieu, ou encore la mélatonine, qu'on trouve partout aux États-Unis, mais qui est en vente libre, qu'on peut quand même se procurer en France, je le précise. Par correspondance avec Internet. Par correspondance, notamment avec Internet. Hein, on ne va pas se voiler la face et dire la vérité. Et d'autres molécules encore. Vous nous direz quelle est votre position sur ces produits, avec d'autres médecins qui viendront confronter leur position aux vôtres. Je donne la parole à Bob, qui donc depuis 5 ans suit un traitement hormonal. Quel âge avez-vous exactement? J'ai 70 ans cette année. Ouais. Je suis en juillet. Que vous inspirez Emiliane et Marcel, qui sont arrivés au siècle? Est-ce que vous avez envie de vivre le plus longtemps possible? Est-ce que ça fixe un objectif? À l'américaine. Je suis désolé, M. Schaap. J'aime bien le fait qu'il soit optimiste. Je crois que c'est très important. On vous a donc rendu visite, Bob, chez vous, dans le désert de Californie, dans une belle oasis à Palm Springs, pour rencontrer les clients, patients d'un institut unique au monde qui s'appelle le Life Extension Institute, l'Institut pour le prolongement de la vie. Depuis 1994, 3500 personnes suivent un traitement à base d'hormones de croissance. C'est le cas de Bob depuis maintenant 5 ans. On va donc voir comment Bob s'y prend, accompagné d'autres clients patients. C'est un reportage à Palm Springs de Jean-Baptiste Claverie et de Ludovic Fortin. Palm Springs, à 200 km de Los Angeles, dans le désert de Californie, cette ville est le royaume des retraités. Mais ici, tous les moyens sont bons pour ne pas vieillir. Après les liftings et autres implants capillaires, le marché de l'anti-vieillissement se développe désormais avec les élixirs à base d'hormones. Voilà, là c'est ma maison. Gail habite Palm Springs. À 56 ans, elle a décidé de prendre son corps en main. Elle est devenue une grosse consommatrice de produits anti-âge. Ça, c'est les vitamines que je prends tous les jours. Aujourd'hui, je les ai déjà prises. Je les conserve dans ce placard. Il y a des minéraux, des extraits thyroïdiens, de la progestérone et des œstrogènes. J'ai acheté tout ça dans un drugstore. Alors, il y a de la DHEA aussi, et puis de la mélatonine et du calcium. Ces hormones anti-vieillissement, les Américains les achètent dans des supermarchés sans aucune ordonnance. En France, des hormones comme la DHEA ou la mélatonine ne sont pas encore autorisées à la vente. Pour Gail, les pilules ne suffisent pas, alors régulièrement, elle s'injecte des hormones de croissance. Au début, c'est pas vraiment facile d'apprendre à se piquer. Même mon mari ne peut pas me regarder quand je le fais. Vous faites ça combien de fois par jour? Je me fais une injection par jour. Une fois par jour. Combien de fois par semaine? 6 jours par semaine, sauf le dimanche. Dimanche est donc votre jour férié. Eh oui, le dimanche, c'est un jour sans. Avec ce traitement, la première chose que l'on ressent, c'est plus d'énergie. Ensuite, la seconde, c'est au niveau de la peau. Sa texture change, elle est plus souple, et puis mon visage aussi est plus ferme. D'ailleurs, mon mari pense que mon corps aussi est plus ferme et que mes muscles ont plus de tonus. Un corps plus tonique que Gail s'est acheté à prix d'or à l'Institut du prolongement de la vie. Pour environ 5000 francs par mois, cette petite clinique de Palm Springs vend un cocktail d'hormones de croissance pour seniors en mal de jeunesse.
Le principe est simple, redonner aux patients le taux hormonal qu'ils avaient à 20 ans. Et le marché est florissant, l'institut créé en 1994 compte plus de 3500 clients. J'ai regardé vos résultats et tout me semble bon, à part peut-être votre taux d'hormone thyroïdienne. Aujourd'hui, je viens pour mon check-up. En fait, pour m'assurer que mes analyses de sang sont bonnes. Prenez le processus de vieillissement. Quand vous avez 20 ans, vous ne vieillissez pas beaucoup. À 30 un peu plus, et à 40, vous vieillissez vraiment plus vite. Et ensuite, encore plus rapidement. Notre programme, justement, a pour but de ralentir ce processus. Les hormones conservent votre corps. Quand vous vieillissez, leur niveau baisse, alors votre corps se détériore. Mais si vous maintenez cet équilibre hormonal, votre corps va conserver toute sa forme. Avec ce corps en meilleure forme, l'âge biologique de Gail est donc logiquement inférieur à son âge chronologique, celui de son état civil. Pour s'en assurer, elle va passer un test sur ordinateur. Cet appareil va évaluer votre audition, votre sens tactile et votre acuité visuelle. Ça, c'est votre casque. Ça, c'est une manette qui va mesurer votre sensibilité. Et cet appareil-là va lui évaluer votre capacité pulmonaire. Ce clavier va analyser votre temps de réaction et votre mémoire. Bref, tous ces paramètres vont permettre de calculer votre âge biologique. Alors, quel est votre âge biologique? 42 ans. Oh, mon âge biologique? En fait, j'ai 56 ans. Non, ça, c'est votre âge chronologique. Ah ouais, c'est vrai. Moi, c'est 42. Et l'an dernier? 43, je crois. Vous êtes contente? Eh ouais. Ça veut dire que vous rajeunissez? Eh oui, je rajeunis. Comme Gail, Bob habite à Palm Springs et il suit le même traitement dans le même institut. Ce retraité de 70 ans a un âge biologique de 48 ans. Il y a 5 ans, il a refusé de vieillir. En plus du traitement hormonal, il s'est donc imposé une hygiène de vie impressionnante, beaucoup de sport, parfois jusqu'à 4 heures par jour, et un régime alimentaire draconien. Les protéines contiennent beaucoup de vitamines, donc tu seras belle, gentille et en bonne santé. Et quel beau sourire en plus. Je ne prends pas de lait, mais du lait de soja et c'est très bon pour moi. Vous suivez un traitement? Oui. Le même que Bob? Regardez ses muscles. Oh, arrête ça, je ne veux pas devenir une madame muscle. Je ne prends pas le même traitement que mon mari. Il prend des hormones différentes, conçues pour les hommes. Moi, c'est des hormones pour les femmes. Et vous prenez des hormones de croissance? Oui, j'en prends. Il est doué pour ça. J'ai été pas capable de faire ça il y a 5 ans. Il faut manipuler ça le plus doucement possible parce que les hormones de croissance sont délicates. Si vous pompez trop fort, vous risquez de détruire les molécules. D'ailleurs, ça se voit très bien au microscope. Ces molécules sont très fragiles. Je ne crois pas que ce traitement soit dangereux du moment que l'équilibre hormonal est respecté. Si j'ai d'un côté de la testostérone et de l'autre des hormones thyroïdiennes plus tout ce qu'il faut pour mon système immunitaire, alors ça va. Est-ce qu'on a peur à 20 ans d'avoir un cancer ou d'être malade? Non, à cet âge-là, votre équilibre hormonal est bon. Grâce à notre traitement, nous rétablissons cet équilibre. Tu as besoin d'alcool? Non, j'en ai. Je fais ça deux fois par jour. Le matin d'abord et le soir avant d'aller nous coucher. Pendant 30 secondes, je presse avec mes doigts pour que le liquide se répande bien. Vous avez peur parfois? De quoi?
De ça ? Des effets secondaires. Ah, l'hormone de croissance, elle existe depuis 1985. On l'a fabriquée à partir de cadavres. 85 ? Oui, pour les enfants. Ça existe depuis des années et des années. À l'époque, ça provenait de cadavres, donc ça pouvait être dangereux. Mais aujourd'hui, elles sont fabriquées génétiquement. Allez, je vais faire mes exercices. Tu peux venir si tu veux. Alors pour vous, Marianne, Bob est redevenu un jeune homme ? Par rapport à ce qu'il était il y a 10 ans, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus jeune. Je fais ça une fois par jour. Combien de temps à peu près ? Je consacre au moins une heure à chaque activité sportive, mais ça, je le fais environ 40 minutes. Mais quand je vais dans les montagnes, par contre, je reste entre 1 et 4 heures en fonction du temps que j'ai. C'est vraiment magnifique. C'est presque une nouvelle vie, c'est la joie de vivre. C'est fabuleux. Je peux tout faire, tout ce que je faisais il y a 30 ou 40 ans, des choses que je n'imaginais même pas pouvoir faire avant le traitement, il y a 5 ans. L'escalade, vous pensez que c'est un sport pour un homme de 70 ans ? Vous en avez un autre à me suggérer ? Oui, pour la plupart des gens de 70 ans, il reste le golf. Je ne cherche pas à battre des records de longévité, je m'en fiche. Si je n'ai pas la santé, je n'ai pas envie de vivre vieux. J'ai observé mon père et ma mère pendant leurs 10 dernières années. Pour moi, leur fils, c'était horrible de les voir comme ça. Ils souffraient, ils n'étaient plus capables de faire quoi que ce soit. Moi, je n'ai pas envie de vivre comme ça. Voilà, reportage de Jean-Baptiste Clavry. Tout récent, hein, c'était la semaine dernière à Palm Springs. Bob, en tout cas, ce qui est encourageant, c'est de voir qu'on peut commencer tard, en tout cas, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est une chose. Mais en tout cas, vous avez commencé à l'âge de 65 ans, vous. Oui, exactement. Une vitalité très basse, j'étais très frustré par la vie. Et puis j'ai entendu parler de ce programme à la radio. Et j'ai entendu quelque chose au sujet de l'énergie. Et ça a capté mon attention. Je suis allé à un séminaire pour voir ce qui se passait. J'ai commencé la semaine d'après. Mais l'hormone de croissance que vous prenez quotidiennement est-elle le seul arrangement que vous faites avec la vie? Je veux dire, parce que vous n'avez vraiment pas l'air d'avoir 70 ans, quoi. Merci beaucoup. You're very welcome, sir. Non, c'est la seule façon. Je crois que les hormones, et pour les hommes, il y a au moins 7 hormones qui doivent être prises, a beaucoup aidé. Et ça m'a rendu mon énergie. Ouais. Vous fumez ? Do you smoke ? I did smoke. Je vous avez fumé, mais j'ai arrêté il y a longtemps. Vous avez fumé pendant combien de temps ? J'ai fumé pendant 20 ans, de l'âge de 22. Un peu d'alcool ? Jusqu'à l'âge de 40. Oh, yes. Oh oui, de la bière tous les jours. Quels sont pour vous les effets bénéfiques du traitement, en plus de l'énergie ? En quoi ça rend plus jeune ? Physiquement ? Ça a été dit par madame. Ma mémoire s'est améliorée. Mon intérêt pour la vie est beaucoup plus haut, c'est comme lorsque j'étais à l'époque de l'université. J'aurais beaucoup aimé apprendre le français en quelques semaines si j'avais eu le temps. Ça aurait été l'occasion. Ouais. Parlons de la virilité, est-ce que vous avez retrouvé une virilité de jeune homme ? So you do understand French, actually, non ?
Ma femme dit que c'est une blague. Elle dit que elle va essayer de m'épuiser. Ah oui, d'accord. Est-ce que vous craignez des effets secondaires de ce traitement? Non. Lorsque j'ai commencé, les gens m'ont demandé pourquoi est-ce que je le faisais avant qu'il y ait suffisamment de recherche là-dessus. Mais ma réponse, c'est que j'avais déjà 65 ans et combien pouvais-je attendre encore avant d'avoir une recherche complètement faite sur ces sujets? Je le fais depuis 5 ans et je suis absolument convaincu que c'est la plus grande avancée possible dans l'histoire de la médecine du siècle. Monsieur et Madame Durand, vous ne prenez pas d'hormones de croissance, mais de la DHEA et de la mélatonine. On en parlera longuement tout à l'heure pour savoir exactement de quoi on parle, parce que je pense que beaucoup de personnes ont envie d'avoir des informations là-dessus. Est-ce que vous craignez les effets secondaires? Est-ce que vous vous êtes posé la question des effets secondaires? Pour la DHEA et la mélatonine, je ne crains pas. Mais on ne sait pas pourtant. La grande étude dirigée par le professeur Beaulieu est en train de se faire. On ne connaît toujours pas les résultats. Bien, je suppose que puisqu'en Amérique, c'est en vente libre depuis des années et qu'on n'a pas constaté d'effets secondaires, on laisse confiance. Je ne suis pas trop inquiet. Et puis je me dis une chose. Bon, on fait des expériences qui vont durer, on attend un recul de 10 ans. Ouais. J'ai 71 ans. Si j'attends encore 10 ans pour tenter l'expérience, je risque d'être mort avant. Ah, d'accord. Donc tant pis pour les effets secondaires. Tant pis pour les effets secondaires. D'accord. Je demandais à Christophe de Jaeger de venir nous rejoindre, qui est gérontologue, gériatre, qui connaît bien toutes ces hormones dont on parle ce soir. Bienvenue. Asseyez-vous aux côtés de votre confrère. Gérontologue et gériatre, auteur d'un que sais-je sur les techniques de lutte contre le vieillissement et chargé également d'enseignement à la faculté de médecine. Qu'est-ce que vous pensez de ce traitement à base d'hormones de croissance que suit Bob? Avant, on ne savait pas, on ne savait pas si on allait être heureux ou malheureux, riche ou pauvre ou quoi que ce soit, mais on savait qu'une seule chose, c'est qu'on allait mourir. Or aujourd'hui, cette espèce de certitude que nous avions avec laquelle nous sommes nés est en train peut-être de se modifier. Deuxième observation que je ferai, et là je suis tout à fait passionné par le plateau, parce qu'il y a deux conceptions en fait du vieillissement. Vous avez, si j'ose dire, des centenaires passifs qui ont vécu toute une vie tranquille et qui finalement se sont retrouvés centenaires, sans l'avoir choisi. Et puis maintenant on a une deuxième catégorie d'individus, ceux qui ont décidé effectivement d'interférer et de devenir des centenaires actifs, c'est-à-dire qu'ils ont envie justement de conserver, comme Bob par exemple, qui n'a pas dit tout à l'heure, mais qui est médecin à l'origine, et qui a souhaité conserver une certaine forme et ne pas vivre passivement son vieillissement. Bon, donc, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent effectivement de tirer parti des différentes connaissances que nous avons acquises récemment, car tout ça c'est assez récent, hein, ça au maximum 10-15 ans. Et toutes les recherches qui ont pu être faites dans le monde ont montré que ce soit en biologie cellulaire, que ce soit ensuite sur les animaux, eh bien qu'on peut interférer avec ce processus. Et on regarde, lorsqu'on observe un petit peu les gens qui vieillissent, on se rend compte qu'effectivement un certain nombre d'hormones diminuent dans le sang. Et la logique... C'est de compenser. C'est de compenser. C'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs déjà en France pour tout ce qui est traitement substitutif de la ménopause. C'est ça. Ça a mis tout de même plusieurs bonnes dizaines d'années à faire, si j'ose dire, son chemin dans l'esprit des gens. Aujourd'hui, plusieurs dizaines de milliers de femmes prennent des compléments hormonaux à l'approche de la... Je crois plusieurs centaines de milliers de femmes. Oui. Hein? Alors, c'est ça qui est très très important. Donc, ce qui est vrai pour la ménopause l'est en réalité vrai très probablement pour l'ensemble des autres hormones dites du vieillissement, dont on a montré chez l'animal qu'ils ont une efficacité tout à fait reconnue avec la possibilité d'augmenter, voire de 100% l'espérance de vie de l'espèce considérée. Donc doublée. Doublée. Actuellement, on n'a pas ce recul chez l'homme. Ouais. En plus, c'est vrai qu'on intervient souvent un petit peu plus tardivement dans l'évolution du processus. Et souvent, bon, là on a des gens qui ont débuté à 60, 70 ans des traitements, on pourrait éventuellement envisager de les débuter plus tôt si on suivait parfaitement l'évolution de leurs profils hormonaux. Madame Durand, vous avez commencé à quel âge, vous, les traitements? 60, peut-être, à peu 60, près. 60 ans, à peu près. Je voudrais qu'on fasse vraiment une différence entre DHEA et mélatonine, dont on va parler dans un instant, entre les injections de foie, de fœtus, de mouton, dont on parlera un peu plus tard, et les hormones de croissance, dont on vient de voir la façon dont on s'en sert, en tout cas avec Bob Jones. Qu'est-ce que vous pensez des hormones de croissance, de celles-ci en particulier?
L'hormone de croissance, il y a eu plusieurs études internationales qui ont été publiées. Les gens ont été effectivement bien testés au départ et à six mois. Qu'est-ce qu'on observe? On observe chez tous les patients une augmentation de la masse maigre, c'est-à-dire de la masse musculaire, une réduction de la masse grasse, c'est-à-dire tout ce qui est tissu adipeux, un confort bien supérieur, des gens beaucoup plus déterminés, avec un bien meilleur moral et surtout une bien meilleure forme. Ça, c'est quelque chose qui ressort de façon régulière dans les différentes études publiées dans notre monde médical. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez des hormones de croissance, Michel? C'est ce que disait le monsieur, c'est on manque de recul. Alors, on a la crainte, le monde scientifique, qu'on augmente le taux de cancer. C'est le problème principal, le frein à ces médicaments. En France, ils ne sont pas autorisés, ils ne sont pas permis. Il faut dire aussi qu'on a un peu de réticence vis-à-vis d'une démarche préventive qui nous paraît un peu superflue. Nous, Français, il y a une question de qu'est-ce qu'on est prêt à mettre en termes d'argent, de dépenses énergétiques. Est-ce qu'on est prêt à faire 1 heure, 2 heures, 3 heures de gym par jour pour mieux se conserver, alors qu'on voit très bien M. Schaap ou d'autres qui ont vécu avec le tranquille, en mangeant, buvant un petit verre de vin, on arrive à peu près au même résultat. Je dis à peu près. Collectivement, on a une... Sachant qu'il y a quand même 30 ans de différence entre ces deux messieurs, en plus. Hein. Tout à fait, mais sans se forcer, en dépensant des sommes considérablement moindres, on arrive à un résultat qui n'est pas si loin. Alors je dirais que nous, on est beaucoup plus performants. Les hormones de croissance, on y viendra peut-être. Le problème, c'est qui va payer? Est-ce que c'est l'individu ou est-ce que c'est la collectivité? Et est-ce que ça ne risque pas d'augmenter le taux de cancer? Donc ce sont des effets secondaires négatifs assez importants, là, pour alors, le coup. Alors, ceci dit, on sait pour le traitement hormonal substitutif, les œstrogènes après la ménopause. Et encore, il y a peut-être pas encore une femme sur deux qui pourrait en bénéficier. On a encore un peu de retard. On va y arriver. Là, on sait très bien que ça réduit le nombre de fractures, l'ostéoporose, les chutes et toutes ces choses-là. Néanmoins, ça réduit les chutes? Oui, les chutes sont moins graves. On va moins casser les os. On calcifie mieux. Les os sont plus forts. Néanmoins, quand on prenait les œstrogènes, on sait que sur 100 000 femmes, on va avoir un peu plus de cancer du sein ou de l'utérus. C'est vrai. On va payer d'un côté, mais globalement, le bénéfice que toute la population va en retirer sera plus grand. Alors, il faut peser le pour et le contre. C'est ça la difficulté. Sachant qu'il n'y a pas que ça qui donne le cancer, en plus. Hein. Non, il n'y a pas que ça. Mais néanmoins, avec cette approche, on va augmenter un peu le taux de cancer, mais globalement, toute la population va en bénéficier. Mais quelle est votre réflexion, comme ça, spontanée, sur cette prise d'hormones de croissance? Je crois qu'il faut l'explorer. On est réticent, on a tort. Quand on voit Bob, ben on se dit qu'il y a quelque chose, il y a une parcelle de vérité, il faut aller plus loin. Et on ne peut pas dire « j'en veux pas », on ne peut pas dire « ça ne m'intéresse pas, c'est des Américains ». Il faut se dire, il faut l'étudier clairement et il faut essayer de voir ce qu'on peut en tirer, comment on peut en profiter. Monsieur Olivenstein, vous dites « j'en veux » de l'hormone de croissance, vous? Non, moi, pas du tout. Mais pourquoi non? Laissons faire la bonne nature. Laissons faire la bonne nature. Moi, je... J'ai pas envie de compartimenter ma vie par des obligations matin, midi et soir tant que je peux m'en passer. J'ai pas envie d'être dépendant, d'être esclave de mécanismes qui ont une part magique, libre aux autres de le faire. Je suis pas partisan d'interdire quoi que ce soit, encore que ça pose des problèmes éthiques qui sont pas si simples, puisque dans certains pays, on parle de prélèvement d'organes sur des enfants vivants. Quand la folie des hommes se met en marche, elle risque d'être dangereuse. Il faut réfléchir à deux fois avant de mettre sur pied de ce genre de programme. Jean et Jeannie, est-ce que les hormones de croissance vous tentent d'après ce que vous venez d'entendre ce soir? Bien, jusqu'à maintenant, ce que j'ai lu... Pardon. Non, vas-y, pour l'instant, moi, pas trop. Bien, je serais tenté, moi, mais d'après ce que j'ai lu... On me parle quelquefois d'effets secondaires quand même, le docteur parlait de risque de cancer, alors que pour la mélato et la DHA, je n'ai pas entendu parler de risque d'effets secondaires, pas beaucoup entendu parler d'après ce que j'ai lu. Alors pour l'instant, je suis encore un peu réticent, mais je suis tenté. Oui. Comment s'est passé? Parce que vous prenez tous les deux de la mélatonine et de la DHA, qui a convaincu l'autre? J'ai moi qui ai commencé. Oui, j'ai suivi. Vous avez suivi l'homme. Voilà, c'est ça, c'est normal. Il a dû vous convaincre pour ça? Non. Avec quels arguments vous êtes convaincu l'un et l'autre? Moi, j'ai lu plusieurs livres sur la mélatonine et la DHA qui m'ont donné envie d'essayer. J'ai essayé, j'ai été content. J'ai d'abord essayé la mélatonine pour le sommeil, même duration pour le sommeil, mais rien de plus. Et puis, j'ai pris un an plus tard de la DHA et là, j'ai senti quand même un état général très amélioré. C'est-à-dire? Bien... davantage d'entrain, davantage, même physiquement, même psychologiquement, plus optimiste.
sens bien. En termes d'énergie, de muscles, de graisse. Peut-être que ça m'a peut-être même aidé un petit peu à contrôler mon poids. Ouais. Mais. Moi, je ne sais pas si j'en ai réellement besoin, parce que je suis assez tonique, mais enfin, je me sens très bien. Vous en prenez en préventif uniquement, vous ? En préventif. Oui, en préventif. Oui. Ouais. Ouais. Mais vous en prenez à quelle dose ? Eh bien, moi j'en prends beaucoup de HEA, j'en prends une dose qui est supérieure même à ce qu'on prescrit en moyenne. C'est-à-dire ? J'en prends 150 mg. Ah, oui. On m'avait dit qu'il fallait rester à 100. À 50, on m'a dit de baisser, et puis j'ai baissé, je me sentais moins bien. Alors je recontinue. Ah, vous faites votre petite popote, quoi. Ouais. Et vous, madame ? Je prends 100. Hein, toi, tu en prends 75. 75. 75, donc un petit peu moins. Ce type de traitement provoque quand même des inquiétudes autant que des espérances, puisqu'il y a encore une vaste étude in vivo qui est en train de se faire concernant la DHEA. Est-ce qu'on a des études qui ont été faites sur la mélatonine ? Alors, il y a de nombreuses Excusez-moi, études. L'un ou l'autre, hein, ou les deux. Il y a deux. Nombreuses études qui ont été faites. Là, vous faisiez tout à l'heure allusion à l'étude de DHEA âge qui est effectivement dirigée par le professeur Beaulieu et le professeur Forêt. Bon, qui est quelque chose qui est fait en France, qui va concerner 300 ou qui concerne 300 patients. Mais il est bien clair que là aussi, ce sont des molécules qui sont connues depuis des dizaines d'années aux États-Unis, qui ont été étudiées, où il y a eu des centaines et des centaines de publications qui ont été faites. Et actuellement, on est en train de refaire un petit peu les tests en France pour apprécier avec notre culture les résultats. Mais on sait d'emblée que ces résultats seront positifs. Que la mélatonine n'a pas d'effet négatif, secondaire négatif important ? C'est ce que vous êtes en train de nous dire ? Alors, Très peu, oui. Il peut y en avoir toujours. Le problème, c'est que ce sont des produits qui étaient un peu en vente libre aux États-Unis, qui n'ont pas eu tout le cursus d'un médicament qui est très toujours, sévère. Hein, ouais. Le cursus d'un médicament, on vérifie sur des tas de draps, etc., que ce n'est pas toxique. Et un produit qui donnerait un phénomène grave sur 10 000, 1 sur 10 000, quasiment, est retiré du marché. Dans ce cas-là, on est dans la zone où on ne sait pas. Il y a peut-être une personne sur 10 000 qui a eu des problèmes avec la mélatonine, mais on ne le sait pas parce qu'on n'a pas fait toute cette surveillance et toute cette approche. Qu'est-ce qu'on peut en espérer, objectivement, à votre avis, à tous les deux, de la mélatonine, d'une prise régulière de mélatonine ? Normalement, c'est un produit qui, effectivement, joue sur l'ensemble des systèmes humains. Il est vrai que le premier effet qui existe, c'est la régulation ou la réadaptation du sommeil. C'est pour ça qu'il est utilisé dans le cadre du jet lag par de nombreux navigants ou des gens qui voyagent. Et à ce moment-là, ça leur permet de recaler le sommeil. La mélatonine est sans doute un piégeur de radicaux libres, comme certaines vitamines, comme certains extraits végétaux, qui piègent les radicaux libres et qui empêchent les destructions. Qui empêchent d'oxyder, quoi, de toute manière. D'accord. Donc l'effet de la mélatonine, régulation sur le sommeil. Piégeur de radicaux libres. Ouais. Piégeur de radicaux libres, ça tout le monde est d'accord pour dire que tous les piégeurs de radicaux libres sont des médicaments plutôt à prescrire. Oui. Hein? Ce qu'il faut faire, à mon avis, que ça soit la vente n'est pas tout à fait licite en France, mais enfin on peut s'en procurer, ouais, certes. L'hormone de croissance, comme on l'a vu, les piégeurs de radicaux libres, c'est toujours le faire sous contrôle médical. Parce qu'un abus de vitamines, les vitamines sont sans doute tout à fait bénignes, sauf si on a certaines, des doses trop fortes sont nocives. Il faut le faire sous contrôle médical. C'est ça un peu la règle. On va parler maintenant de la DHEA. Je disais isolé par le professeur Beaulieu. En fait, c'est pas ça. Le professeur Beaulieu s'est rendu compte que ça pouvait freiner les effets du vieillissement, pour être plus précis. Voilà. Qu'on en manquait dans le sang quand on vieillissait. Voilà, il n'y avait pas assez de. Et donc on pouvait compenser en prenant soit par injection, soit par cachet. Dans les documents que vous avez montrés, là, on voit très bien que tous ces Américains le font sous contrôle médical très serré. Vous avez entendu cette dame qui disait j'ai 56 ans d'âge chronologique. L'année dernière, j'avais 43 ans. Cette année, je viens d'avoir mes 42 ans. Quoi. Alors ça, c'est quelque chose qui est très, très important. C'est parce qu'il y a cette notion d'âge chronologique et d'âge biologique. Oui. Et ça, c'est quelque chose... L'âge chronologique, celui du calendrier. L'âge biologique, c'est quoi, alors ? Alors justement, c'est... les Américains et les Japonais y ont beaucoup travaillé. C'est en fait la synthèse d'un certain nombre de fonctions qui sont mesurées. Et tout ça, vous avez des scores. Et au fond, à partir du score, on détermine un âge statistique qui correspond le mieux et on dit que c'est l'âge biologique. Oui, on prend des tas de paramètres et on compare par rapport à la moyenne de la population. Il est clair que cette dame, par rapport à la moyenne, on a pris l'âge, les gens qui avaient 43 ans, et bien elle fait l'âge de 43 ans, bien qu'on en ait 56. Non, elle faisait 43 l'année dernière, elle fait 42 cette année. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Elle s'est améliorée. Peut-être que vous, au marathon, vous faisiez, 6h28. 6h28, maintenant vous faites plus que 5h, vous avez rajeuni. 1h12, pour te vous dire. Vous avez rajeuni. Ça c'est tout à fait possible. Ouais.
on n'a pas été au bout des choses sur la DHEA, sur ce qu'on sait de la DHEA aujourd'hui, etc. On a parlé clairement de la mélatonine et des hormones de croissance. Sur la DHEA, est-ce qu'on pourrait en dire un petit peu plus pour ceux qui nous regardent? Oui. C'est une hormone stéroïde. C'est quelque chose d'extrêmement efficace. Il faut voir, les hormones stéroïdes, c'est une espèce de cascade dans laquelle la DHEA a une position clé. Et lorsque les gens prennent de la DHEA, elle est métabolisée et il y a un certain nombre d'hormones qui vont voir leur concentration augmenter dans le sang. Et des hormones, par exemple, comme la testostérone, qui sont des hormones dont l'efficacité est tout à fait reconnue et qui vont permettre d'améliorer considérablement la qualité de vie des gens. Donc ça correspond à une réalité. C'est un produit compensatoire, enfin je veux dire, qui vient compenser ce qu'on a perdu. Est-ce que c'est le même cas avec les hormones de croissance? Non. L'un et l'autre relèvent du même principe, en fait, parce que là, on parle de façon très générale. C'est-à-dire restaurer des fonctions C'est-à-dire perdues ou qui s'amenuisent, en tout cas. Compenser une carence. Ouais. Carence qui peut être extrêmement variable en fonction des individus. C'est-à-dire que vous, par exemple, vous pouvez avoir une carence en tel type d'hormone, alors que votre voisin, ça sera autre chose au même âge. Donc, ça implique effectivement qu'il y ait un point précis qui soit fait avant de pouvoir intégrer les gens dans tel ou tel protocole. C'est-à-dire qu'on regarde en gros comment vous fonctionnez. Il faut objectiver la carence. Et la carence, elle peut survenir. Vous savez que ce sont des hormones qui descendent, qui diminuent dans le sang dès 20 ans. Donc ce n'est pas une question d'âge. Voilà, ce n'est pas une question d'âge chronologique. D'accord. Pas du tout. Chaque cas est particulier. J'aimerais revenir sur une chose qui me paraît importante. C'est que là, effectivement, on parle d'hormones, mais il y a des tas d'autres facteurs qui rentrent en ligne dans le vieillissement. Et en particulier, c'est peut-être ce qui est prévu, vous allez en parler certainement, c'est l'alimentation, oui. C'est l'exercice physique, et c'est un certain nombre de choses de ce type-là qui peuvent aussi nous permettre d'augmenter la qualité de notre vieillissement dans le cadre de la longévité d'espèce que nous avons, qui est environ de 120 ans. Quoi ? Pardon ? On a une longévité d'espèce, en gros. Oui, on est programmé pour 120 ans, et le tout, c'est d'y arriver et en bonne forme. Vous prendriez des médicaments comme ceux dont on parle là ? Ah non, non. Et pourquoi pas ? Ah, j'aurais peur. Mais c'est la peur au ventre. Moi, j'ai plus rien. Mais à vous adresser à la personne qui en a le moins besoin. Est-ce que... Monsieur n'a pas de problème d'hormones, il vous fait savoir. Et vous pouvez le vérifier quand vous voulez, docteur. C'est vrai. Et je crois que madame aussi. Ou non plus, comme on veut. On continue un peu sur la mélatonine et la DHEA avec nos deux invités et on revient sur les régimes hypocaloriques et les autres. Et vous prenez combien de cachets par jour pour avoir une approche concrète de mélatonine et de DHEA en la tout, mélatonine. Moi. 3 mg et moi 6 mg. Ça fait combien de cachets ça? Enfin, un bon, seul pour moi. Un seul et deux pour moi. Deux DHEA. De HEA, un et demi, si j'ose dire. Un et demi et moi trois. Pensez-vous que vous en prendrez jusqu'à la fin de votre vie? Attends, ça me fera du bien. Aujourd'hui, vous pensez que c'est un traitement, enfin, je veux dire, parfois on prend un traitement et on s'arrête, quoi. Là, c'est... Ah bah non, puisque c'est un traitement substitutif. Oui. Moi, j'ai fait faire des dosages, et des dosages d'une personne de 40 ans. Oui. La DHEA et la mélatonine, monsieur Liebenstein? Je ne sais pas ce que c'est. Ah bah si, on vient d'en parler quand même. Non, je ne sais pas que ça rentre pas. Alors, le docteur, si Olivier Stein n'a pas compris, personne n'a compris, messieurs les médecins. Oui, c'est vrai qu'il y a une réticence. Il n'est pas du tout provocateur dans la main. Non, non. Ceci dit, dans votre dernier bouquin, vous commencez en disant, lorsque j'ai pris ma dernière dose de LSD devant le pont de Golden Gate à San Francisco, vous avez essayé d'autres choses plus jeunes. Oui, mais je n'ai pas nié d'avoir essayé d'autres choses. Oui. Vos produits, sauf que le premier, si mes souvenirs sont bons, remonte sans mettre le gamma OH. Oui. C'est qu'on avait essayé il y a 30 ans et qu'on avait abandonné parce qu'on n'en avait aucun effet d'aucune façon. C'est mon seul souvenir de ces questions, mais encore une fois, moi je ne suis pas spécialiste de la question. Et ça touche à tellement d'intérêts personnels que... Bon. Non mais la DHEA, vous dites, je ne sais pas ce que c'est, ça a été expliqué clairement. Quoi. C'est... Ah là, j'ai beaucoup appris. Ah oui, alors maintenant vous savez ce que c'est, est-ce que ça vous donne envie d'en prendre? Sûrement pas. Les raisons que je vous ai dit tout à l'heure, sûrement pas. J'ai pas envie de rentrer dans un système. J'ai pas envie. Parce que vous voulez pas toucher à la nature humaine, enfin à la nature. Non, non, c'est même pas ça. C'est pas aussi philosophique que ça. Moi, j'ai pas réfléchi à la question. J'ai pas envie de me sentir prisonnier d'un système quel qu'il soit, quitte à le payer, monsieur, par des douleurs, une démarche comment vous avez mimé. C'est vous qui en parlez quand on prépare l'émission. Vous dites, oh là là, je sens les effets de la vieillesse, je me traîne un peu plus mais qu'avant. Mais en même temps, un lièvre à la royale, qu'est-ce que c'est bon? Un lièvre à la royale, ouais. Oui. Qu'est-ce que c'est bon? Si je suivais mes médecins, ça serait interdit. Mais je ne crois pas que ce soit incompatible avec des hormones compensatrices.
Et c'est pas les hormones, comment pourrais-je expliquer pour être entendu? C'est-à-dire, c'est toute une conception de la vie. C'est une conception où les priorités ne sont pas, excusez-moi, mes priorités. Ma priorité, c'est pas de vivre le plus longtemps possible. Ma priorité, c'est de vivre le moins mal possible. C'est de vivre, d'aimer les choses que j'aime, de pouvoir en profiter, même si mon cardiologue me dit attention à l'infarctus, ou même si mon diabétologue me dit mais c'est impossible, vous allez vous creuser votre tombe avec vos dents. C'est des choix de vie. Ils vous disent tout ça? Et bien sûr, ils me disent ça. Vous avez vu ma dégaine? La tête va bien en tout cas, monsieur Lebenstein. La tête fonctionne. Qu'est-ce que vous dites, Emiliane? Excusez-moi. Emiliane, vous disiez quoi? Ben, je pense comme monsieur. Ah, d'accord. Oui, mais vous avez le recul pour le dire, là, maintenant. Ah oui, c'est vrai, ça, je le reconnais. Mais quand même, je ne l'aurais pas fait. Oui, mais vous avez tiré un sacré numéro. Vous avez tiré un très bon numéro à la loterie, vous. C'est ça, la différence. Et que beaucoup d'autres n'ont pas tiré forcément un excellent numéro. Et ce n'est pas question de rajouter des années. Ça, vous êtes condamné à vivre 85 ans. En moyenne, c'est écrit. Maintenant, est-ce que vous aurez des rhumatismes, de la vision qui va baisser, ou est-ce que vous êtes en bonne forme? J'ai des rhumatismes, je n'en aurais peut-être pas si je l'avais fait. Ah voilà. Voilà. C'est clair. Oui, mais peut-être pas. Hein, vous avez mais c'est pareil que pour le traitement de l'hypertension. Mais je n'ai pas été tentée. Non, mais vous n'aviez pas l'occasion. Oui, c'est ça. Vous n'aviez pas la possibilité, on vous l'a pas offert. Non, c'est vrai, je n'avais pas. Ces produits sont donc illicites aujourd'hui en France. Je crois qu'on est en devoir d'en informer les téléspectateurs. Qu'est-ce que vous demandez, qu'est-ce que vous répondez plutôt, vous, docteur au pluriel, aux patients qui vous en demandent? Alors, éthiquement, on peut dire non, non disponible ici, allez vivre aux États-Unis. Hein. C'est un peu, c'est hypocrite, certes, c'est la fuite. Et qu'est-ce que vous répondez dans la réalité? Un médecin en France n'a pas le droit de le conseiller ni de le prescrire. Ok, Michel, nous ne sommes pas dans le secret d'un cabinet. Donc. Ceci étant dit... Monsieur Jäger, vous répondez quoi, vous? La réponse est stéréotypée. Je veux dire, il n'y a pas d'autre réponse possible aujourd'hui en France en 99. En revanche, si quelqu'un en prend et vient vous dire est-ce que vous pouvez vérifier qu'il n'y a pas d'effet secondaire trop marquant sur moi, vous le faites, là. C'est de la santé publique. Sinon, on a assistance à personne en danger. C'est ça, d'accord. En revanche, il y a un autre aspect qui est important, c'est que lorsque vous voyez un petit peu ce que les gens aux États-Unis font pour prendre en charge leur vieillissement, eh bien, vous vous rendez compte que c'est tout de même extrêmement contraignant. Parce que, bon, il y a l'alimentation, alors ils sont là à peser, etc., etc. Vous avez quantité de pilules qui sont prises, jusqu'à 20 par jour, et si vous imaginez demain que vous allez devoir, demain matin, commencer à en prendre 8 le matin, 8 à midi, 8 le soir, elles ne sont souvent pas toutes petites. C'est vrai que ça implique, une volonté tout à fait particulière. Une discipline, en tout cas. Hein. Une discipline très importante. Mmh. Ouais. Ceci dit, cette discipline peut aider d'assumer qu'on va se prendre en charge, de vouloir le faire. Ça aide, ça peut être positif. La discipline est parfois nécessaire, il me semble. Deuxième chose, il faut savoir aussi que les effets ne sont pas immédiats. Donc, il est vrai que quand on rentre dans un... Le décalage est de combien de temps? Alors, ça dépend, le décalage est de combien de temps. Si vous vous situez, par exemple, à 40 ans et que vous décidez de prendre en charge votre vieillissement. Ouais. Vous avez 40 ans. Oui, vous ne devez pas être loin. Je vous remercie beaucoup. Hein. J'ai une petite marge encore, si vous permettez. Et vous dites, bon, bah, par exemple, je vais d'abord arrêter normalement tous les toxiques. Ça, c'est déjà quelque chose. C'est-à-dire le vin, déjà? Non. Raisonnablement. Mais par exemple, c'est le drame. Si vous dites, je vais m'arrêter de fumer, ouais. C'est ce soir que vous allez vous arrêter de fumer, que vous n'allez plus la fumer, cette cigarette. J'ai déjà arrêté. Et cette cigarette, 50 fois, je crois. Et cette cigarette-là, normalement, elle sera toxique dans X années, puisqu'il y a un effet cumulatif, par exemple, pour les maladies pulmonaires. Donc, ça implique aujourd'hui d'accepter un certain nombre de contraintes et d'avoir des résultats qu'à long terme. Ça veut dire que si à 40 ans, vous faites attention, vous faites du sport, etc., etc., vous n'en aurez les bénéfices. Vous aurez des bénéfices immédiats en termes d'endorphines, vous sentirez mieux, etc., etc. Mais en termes de processus du vieillissement, il faudra attendre 15, 20 ans. Et c'est ça qui parfois est difficile à assumer. Par essence, il faudra attendre de vieillir, quoi. Voilà, enfin, tout simplement. Alors, on va passer maintenant justement à la façon de se nourrir et au fameux régime hypocalorique. On va partir encore une fois pour les États-Unis. Encore une fois, les États-Unis ne nous servent pas de modèle, mais de référence, puisque les produits dont on parle sont commercialisés là-bas et interdits ici. Vous êtes surpris de savoir, Bob, que tous les produits dont on a parlé jusqu'à présent, mélatonine, DHEA et hormones de croissance, soient interdits
dans notre pays. Ça vous surprend? Je ne suis pas surpris que ce ne soit pas vendu sans ordonnance. Je sais que ça ne devrait pas être vendu sans ordonnance aux États-Unis non plus, d'ailleurs. Les médecins devraient le suivre, avoir un suivi là-dessus. Je n'en suis pas surpris, mais j'espère qu'avec le temps, grâce au suivi des médecins, ça pourra être offert aux gens aussi en France. On propose donc maintenant une autre technique anti-vieillissement venue également des États-Unis. Entre 300 et 400 personnes pratiquent ce qu'on appelle la restriction calorique. Selon elle, en mangeant moins, on vivrait plus vieux. Donc je crois que là, c'est 2200 la dose quotidienne pour un adulte en bonne santé. Donc ils descendent à 1200, ce qui est presque la moitié. Donc c'est beaucoup moins. Hein. C'est très peu. Ouais, ils en souffrent, c'est très peu. Jean-Baptiste Clavrier a rencontré quelques adeptes de cette méthode hypocalorique. On va faire un jus de légumes. Je mélange des carottes pour la vitamine A et le bêta-carotène, des poivrons rouges pour la vitamine C, des épinards et des betteraves. La betterave est d'ailleurs l'un des meilleurs légumes pour la santé. En plus de ça, j'ajoute du citron et de l'ail. C'est délicieux. Manger 1200 calories par jour au lieu des 2200 consommées habituellement devrait nous permettre d'allonger notre durée de vie jusqu'à au moins 110 ans. C'est en tout cas la conviction de Roy Wolford, le pionnier de la restriction calorique aux États-Unis. On a expérimenté la restriction calorique sur des rats, des souris et des araignées parce que ce sont des animaux avec une durée de vie très courte. Normalement, l'espérance de vie maximale d'une souris est de 39 mois. Ce qui équivaut chez l'homme à 110 ans. Avec la restriction calorique, des souris ont vécu jusqu'à 56 mois. À l'échelle humaine, ça ferait environ 160-170 ans. Avec les autres méthodes, comme les hormones de croissance, les antioxydants ou la mélatonine, personne n'a réussi à faire vivre une souris plus de 40 mois. Aujourd'hui, Peter pèse 58 kilos pour 1m85. Il fait partie des adeptes les plus acharnés de la restriction calorique. J'ai perdu presque 10 kilos en 2 ans. J'étais pourtant plutôt déjà mince. Je ne pensais pas du tout arriver à mon poids actuel. Au début, il a fallu que je m'habitue à la sensation de faim, mais aujourd'hui, ça ne me pose vraiment plus de problème. J'apprécie même la nourriture et je mange à ma faim. Dans quel but avez-vous commencé la restriction calorique? Je voulais vivre plus vieux, plus longtemps. Et jusqu'à quel âge pensez-vous vivre? Je pense qu'il y a de bonnes chances que je devienne centenaire. Cette balance n'est pas mon ennemi, au contraire, c'est mon ami. Je ne me sens jamais frustrée avec ce régime. C'est plutôt quand je mange gras que je me sens mal, comme polluée. Par contre, avec mon régime, je me sens pleine de vitalité et d'énergie. Je ne ressens vraiment aucune frustration. Non content de la restriction calorique, Peter et son amie Louise vont plus loin dans leur recherche de longévité. Ils ont choisi, en cas de maladie incurable, de se faire congeler. On appelle ça la cryoconservation. À votre mort, on congèle tout votre corps, les cellules, les informations génétiques et même votre personnalité. Et puis lorsque la science trouve le remède contre votre maladie, on vous ramène à la vie. Il y a juste une toute petite chance pour que ça marche, mais ça me suffit pour y croire. Une toute petite chance. Voilà, donc reportage en Californie à nouveau. C'est-à-dire qu'en gros, à mon avis, avec ce que contient comme calories un lièvre à la royale, ils ont de quoi se nourrir pendant une année, à mon avis. Oui. Un peu de choses près. Ils vous font peur, ceux-là? Ah, terriblement. Ouais. Terriblement. Je me demande ce qu'ils ont dans la tête. Ouais. Vous feriez quelque chose comme ça, de l'hypocalorique? Ça intéresse qui? Faites attention à ce que vous mangez. Moi, c'est trop tard. Mais vous ne demandez pas mon avis? Je dis non. Carrément, je ne l'aurais jamais fait. Je crois que la question qu'on peut se poser, c'est trop tôt, mais pas trop tard. Les gens qui ont 40 ans ne peuvent pas raisonner comme moi qui en ai 100. Alors,
C'est normal qu'ils veuillent prolonger la vie. Je n'arrive même pas à croire que vous avez 100 ans. Je vais vous le dire, ça fait 100. Ah oui, c'est vrai. Oui. Vous ne les faites pas. 110, 101 maintenant. Oui. Le mois prochain. Non, 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 101, 101, le 17 juin. Oui. Voilà. D'accord. Dans le centre où vous vous faites suivre, est-ce qu'on prône le régime hypocalorique? Non, non, ce régime n'est pas recommandé et moi je suis d'accord avec les autres invités, je n'aurais pas du tout eu envie de faire ça. J'adore mon type de vie. Vous faites attention à ce que vous mangez? Non. Pas du tout? Non, justement j'ai mal au stomac parce que je ne fais pas attention. Voilà. Docteur, je crois que vous avez donné déjà quelques recettes tout à l'heure. Vous faites attention à ce que vous mangez? Ça, vous essayez de manger équilibré? On fait 4 repas par jour, pratiquement. Un seul? Ou au plus le soir, 3 fois rien. Ah oui, donc là, vous êtes peut-être même en... Enfin, vous ne faites pas les 3 repas réguliers. On mange très bien. Dominique Rueff va intervenir maintenant du public pour nous apporter quelques informations à ce sujet. Bonsoir, docteur. Médecin spécialiste de la prévention nutritionnelle et hormonale du vieillissement, puisque c'est ce qui nous intéresse ce soir. La restriction calorique telle qu'elle pratique M. Walford et ses amis en Californie, a-t-elle des effets prouvés sur la durée de la vie, sur l'allongement de la durée de la vie? Sur les souris, oui. Ah oui. Oui. Mais vous avez posé la question et vous avez donné la réponse. Dans le pays où nous sommes, dans le pays du French Paradox, je pense que ce type d'image qu'on a vue, c'est impraticable. Ce qu'il faut prôner, je pense, c'est l'équilibre alimentaire. C'est l'amélioration, l'optimisation de ce qu'on appelle la densité nutritionnelle. C'est-à-dire que réduire raisonnablement les calories, ça a une incidence indubitable sur la santé. On sait très bien que prévenir les symptômes de vieillissement, c'est aussi prévenir les maladies qui sont liées au vieillissement. On est foutu, on mange trop ? On est foutu, on mange trop, souvent. Souvent, et trop manger, c'est favoriser les maladies cardiovasculaires, c'est favoriser les maladies artérielles, c'est favoriser les problèmes cérébraux, c'est favoriser aussi la survenue d'un certain nombre de cancers. Ouais. On sait aujourd'hui que la nutrition est impliquée dans probablement plus de 60% dans la genèse des cancers. Ouais. Donc le régime, c'est important, mais ce n'est pas simplement le régime hypocalorique. L'équilibre plus que la quantité de calories. C'est l'équilibre quoi. Alimentaire. On parle beaucoup, par exemple, de régime crétois. Ouais, on a parlé de régime méditerranéen. Ça, c'est fondamental. Et en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce dont on parle ce soir ici, et je crois qu'il faut vous remercier de faire ce plateau, parce qu'en réalité, c'est un devoir civique. Parce que tout à l'heure, on a parlé des centenaires qu'il y aurait dans 40 ou 50 ans. Ouais, 150 mais ce qu'on 000, peut dire aussi, c'est que dans 40 ou 50 ans, une majorité de la population active aura par contre, elle, autour de 60 ans. Donc, où aujourd'hui nous commençons à travailler, à réfléchir sur ce que seront les seniors actifs dans 40-50 ans, c'est-à-dire très proche, ou bien on fait fi de ce problème et on va au-devant d'une catastrophe qui est une catastrophe sociale. On peut ne pas vieillir dans la douleur. Qu'est-ce que ça veut dire, vieillir dans la douleur? Ça veut dire perdre ses capacités physiques, perdre ses capacités mentales, perdre ses capacités sexuelles. Ça veut dire, effectivement, avoir des douleurs. Et les exemples qu'on a vus ici, que ce soit notre exemple américain ou d'autres, qui sont intervenus activement sur leur vieillissement... Oui, on ne parle pas de jeunesse éternelle, on parle simplement de vieillesse plus confortable, en fait. D'amélioration qualitative, d'abord, de la façon de vieillir. Ouais. Il n'est pas question, si vous voulez, de copier, de laisser faire ce qui se fait un peu aux États-Unis. Vous en prenez, vous? Oui. De la DHEA? Oui. De la mélatonine? Oui. Oui. Tous les jours? Tous les jours. Ouais. La parole maintenant à Gilbert Beach. Monsieur Rueff, je donnerai la parole à monsieur Plutard, qui est à vos côtés. Bonsoir, monsieur Beach. Bonsoir. Monsieur, vous n'êtes pas aussi extrême que ce qu'on vient de voir dans le reportage en Californie. Votre technique anti-âge ressemble tout de même un peu à la restriction calorique, puisqu'il y a une restriction calorique, mais, je dirais, ponctuelle, par moment. On appelle ça le jeûne, autrement dit. Alors, dites-nous d'abord, combien de temps a duré votre jeûne le plus long? Le plus long a duré 11 jours. Pendant 11 jours, qu'est-ce que vous avez ingurgité pendant? Rien que de l'eau. Que de l'eau. Que de l'eau. 11 jours. Et je l'ai prolongé parce qu'à partir du 9e jour, j'ai commencé à éliminer du mercure. Et j'ai donc poursuivi mon jeûne jusqu'au 11e jour, jusqu'à ce que je n'élimine plus de mercure. Et ça m'a guéri un eczéma qui était chronique, inguérissable, tout ce qu'on veut. Comment on voit qu'on élimine le mercure? Mais en filtrant les urines. Oui. En étudiant les... Tout se passe par les reins.
Donc chaque jour, vous apportiez un petit pot d'urine au... Non. Parce qu'il est très difficile de jeûner sous contrôle médical parce que en France, c'est presque impossible de trouver des spécialistes dans ce domaine. Mais comment vous avez vu du mercure dans vos urines alors? Mais quand je filtre les urines, le mercure s'est déposé au fond du filtre et subitement, il y avait quelque chose qui ne passait pas. Parce que moi, je me suis donc mis au jeûne pour me guérir de la goutte parce que toutes mes articulations étaient encrassées par de l'acide urique et c'est le jeûne qui m'a épargné de passer sous le couteau. Le jeûne, si vous voulez, c'est le procédé le plus rapide et c'est un choix qu'il faut faire. Et c'est le choix qui vous garantit, si vous voulez, une purification de votre organisme dans les délais les plus brefs. Parce que moi, par exemple, comme vous me voyez, quand j'ai commencé à jeûner, j'avais 95 kilos. J'étais bon buveur, vous buviez un peu, visiblement, si vous avez eu de la goutte. Tout, je buvais, je mangeais. Oui, vous mangez encore un peu. Et donc, j'ai souffert. Et vous ne buvez plus du tout d'alcool, maintenant? Mais si, je fais tout comme tout le monde. Et vous faites des jeûnes réguliers, pas forcément de durée-là? Je fais des jeûnes thérapeutiques. Quand je souffre de quelque chose, je m'arrête maintenant de manger. De quand date votre premier jeûne? Il date donc des années 80, début années 80, j'avais 53 ans lorsque j'ai commencé à jeûner. D'accord, donc ça fait presque 20 ans. Depuis, vous en avez fait combien de jeûnes? De jeûnes, si je fais l'addition, j'ai jeûné en tout au moins pendant 6 mois. Ah oui, quand même, oui. Donc c'est assez fréquent. Vous avez perdu combien? Non, c'est pas très fréquent. Maintenant, pratiquement, je ne jeûne plus. Ah, pourquoi? Vous êtes guéri? Je suis bien sûr. Ah oui, donc il y a quand même un aspect régime. Je suis comme Bob, tous les jours, si je ne suis pas en déplacement, je fais mon jogging, comme un jeune. Bon, c'est la discussion de ce soir. Est-ce que le fait de faire le jeûne aide à rester jeune? Vous savez, il n'y a pas beaucoup d'exemples chez nous, donc, mais il suffit de me regarder, je ne sais pas quel âge vous me donnez. Bah, vous nous avez dit après quel était votre âge, autour de 70? Oui, 72. Je ne suis pas surpris, vous l'avez dit il y a 2 secondes. Oui, oui. Mais vous faites beaucoup moins, vous faites plutôt dans la soixantaine, effectivement, monsieur. Je vous remercie pour votre témoignage. Monsieur Rueff, à vos côtés, est-ce que vous conseillez, vous prescrivez, si on peut dire, le jeûne à certains de vos patients? Non, pas du tout. Je crois que là aussi, c'est une approche individuelle. C'est-à-dire que certaines personnes peuvent avoir besoin de jeûner. Et pour d'autres personnes, si vous avez des gens, par exemple, vous avez des gens qui sont affaiblis, qui sont en manque de fer, dans la jeunesse, ça arrive, vous avez beaucoup de femmes et d'hommes aussi qui sont anémiés, qui manquent de fer, vous faites jeûner ces gens-là, vous les affaiblissez. Mmh. Bon, il faut bien comprendre que ce dont on parle, les hormones et la nutrition, c'est la même chose. On fabrique ces hormones avec la nutrition. Optimiser son apport nutritionnel, par exemple, un des marqueurs, entre guillemets, du vieillissement pourrait être, comme on a parlé des taux de DHEA, etc., pourrait être le zinc. On sait que les taux de zinc s'effondrent avec le vieillissement. Donner du zinc à quelqu'un, c'est lui donner une substance qui intervient dans environ 200 systèmes enzymatiques et qui lui permet de fabriquer ses hormones. On oublie aussi toujours une chose. Vous prenez du zinc aussi, vous? Du zinc, oui. Vous en prenez aussi, vous? C'est-à-dire que j'en prends quand j'en ai besoin. Docteur, je continue. On lit régulièrement que le régime crétois, donc à base de différents produits qu'on va voir ensemble, favorise la longévité. Alors, qu'est-ce que exactement ce régime crétois est-il aussi éloigné du French paradoxe? Donc, le French paradoxe, c'est le paradoxe français qui voudrait que ceux qui se nourrissent de produits extrêmement gras meurent plus vite que les autres, cholestérol, les artères bouchées, etc. Or, il se trouve que dans la région du sud-ouest de la France, on vit un peu plus longtemps. Alors, il n'y a pas que la graisse d'oie qui compte dans le régime, dans le régime français, ou le régime crétois. Il y a l'huile d'olive, l'huile de noix. Voilà, le régime crétois et ce qu'on appelle le régime méditerranéen sont assez proches. En réalité, on enlève la crème fraîche, enlève le beurre, on enlève la bière. On élimine donc les graisses saturées de beaucoup de laitages, et polysaturées, de beaucoup de fromages. On remplace une grande partie du beurre par de l'huile d'olive. On mange beaucoup de légumes frais. On mange du poisson, on apporte ce qu'on appelle un acide gras dans le cerveau, qu'on appelle l'acide linolénique. Cet acide linolénique, il vient des dérivés du poisson, il vient de certaines plantes, de certaines huiles, comme l'huile de colza en particulier. On sait aussi que... On dit que l'huile de noix aussi est porteuse de soja, l'huile de colza. D'accord. Et effectivement, on autorise dans ce régime crétois des petites quantités de vin de bonne qualité, c'est ce qu'on a appelé le French paradox. Un ou deux verres par jour, quoi. Mais on a aussi, on pourrait dire rouge, aussi... Rouge, le vin. Rouge, de préférence. Ouais.
C'est dans le vin rouge et dans les bons vins rouges, si vous voulez, que ces dérivés qui sont des antioxydants, et on retrouve toujours la même chose, les antioxydants protecteurs du vieillissement, sont les plus importants. C'est votre régime, ça, vin rouge, oui. Ah ben voilà, c'est une bonne idée. Bon, il y a aussi, il faut savoir aussi, il y a un, on pourrait dire un French paradoxe, il y a un Indian paradoxe, c'est-à-dire que le thé, aujourd'hui, on est en train de dire que la consommation de thé vert en particulier, ouais, mais peut-être un peu de tous les thés, apporte ces mêmes nutriments. Alors le régime crétois, c'est tout ça dans le cadre d'une restriction calorique limitée. On a vu quels étaient les aliments protecteurs du corps. Quels sont ceux qui accélèrent le vieillissement à l'inverse? D'abord, l'excès d'aliments. Les excès en général. L'excès globalement accélère le vieillissement. Bon, ensuite, on a aujourd'hui un certain nombre de... On sait dans l'alimentation qu'il y a un certain nombre de dérivés toxiques, des métaux lourds, un certain nombre de choses, de polluants, qu'on ne peut pas éliminer. Par contre, on sait que de prendre des antioxydants, que de prendre certains protecteurs, permet de mieux résister à ces aliments aggravants ou toxiques. Quels sont, sous quelle forme existent les antioxydants dans la vie courante? Il y a le citron, par exemple? C'est les légumes et les fruits frais, d'une façon générale. Ah, c'est ça. Bon. Ensuite, vous avez, il faut quand même comprendre aussi... Les antioxydants contre les radicaux libres, c'est ça? Les antioxydants contre les radicaux libres, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, les radicaux libres, c'est la rouille. C'est la rouille, c'est ça. C'est l'oxydation de l'organisme. Par exemple, quand vous coupez un avocat en deux, si vous attendez trop longtemps, il noircit. C'est le même processus. Si vous, si vous achetez la plus belle salade que vous pouvez trouver, vous la gardez 3-4 jours au frigidaire, elle perd ses propriétés. Si vous râpez des carottes, en quelques heures, elle perd ses propriétés. Si on met un peu de citron dessus, par exemple? Est-ce que c'est pareil pour l'homme? Est-ce que le jus de citron est un antioxydant? C'est un bactéricide surtout. Un bactéricide. Ça apporte de la vitamine C. Est-ce qu'il existe des médicaments qui permettent de compenser si on n'aime pas les légumes? J'en connais. Est-ce qu'on peut compenser avec aujourd'hui une prise de médicaments? Oui. Contre ces radicaux libres, enfin médicaments ou vitamines ou compléments alimentaires, je ne sais pas comment on appelle ça. Oui, généralement on peut facilement compenser par exemple avec de la vitamine E, le tocophérol, qui est un excellent antiradicaux libre. Il y a du sélénium, il y a plein de substances que l'on peut utiliser et qui peuvent venir renforcer l'effet de certains aliments. Oui. Vous êtes d'accord tous les deux sur ça? Il y a des extraits végétaux qui sont présentés comme des médicaments avec tout le cursus, la sécurité, l'efficacité qui a été prouvée et qui sont utilisés comme piégeurs de radicaux libres contre le vieillissement, contre le mauvais vieillissement. Ça marche? Oui. Ouais. Monsieur Liebenstein, vous êtes convaincu là? Ah, tout à fait. Tout à fait. Le repas aux carottes, ça me passionne. Il y a des carottes dans la potée, quand même. Oui. Il y a des carottes dans la blanquette. Parfaitement. Ouais. Mais heureusement, avec d'autres... Comment on appelle ça? Réducteurs? D'autres... Piégeurs de radicaux libres. Piégeurs de radicaux libres, ouais. Ouais. Les antioxydants. Ouais. Ça pourrait être... Vous pourriez prendre des compléments comme cela. Mais je les prends peut-être à l'occasion. Moi, je n'ai pas de religion bien définie en la matière. Est-ce que vous faites des efforts alimentaires, M. Liebenstein? Tous les premiers de janvier, je me fais des promesses que je ne tiens plus à partir du 2 janvier. D'accord, bah c'est quand même un jour par an, c'est pas rien. Monsieur Liebenstein, je rappelle que vous avez écrit un livre qui s'appelle « La naissance de la vieillesse », qui était publié chez Odile Jacob. Pourquoi avoir écrit ce livre aujourd'hui à 65 ans? Justement, 65 ans, le fait de vieillir, de se regarder vieillir, le fait d'avoir une mère qui a 92 ans, qui est magnifique et remarquable, et... Donc, ça fait partie d'une vieille histoire. Quand on est clinicien, on veut aller au plus proche de l'intime pour essayer de comprendre les choses. Et le vieillissement, c'est justement ce qui mène le plus proche de l'intime. On ne triche pas avec son vieillissement, on ne triche pas avec les paliers sur lesquels on pense avoir consolidé sa situation, et puis patatras, ça se casse la figure. Alors j'ai écrit ce livre pour moi d'abord, et puis pour ceux qui aiment ce que j'écris, ça existe. Et puis aussi je ne sais pas pourquoi, parce que j'avais envie finalement de l'écrire. Vous l'impression que ceux qui sont à votre gauche, par exemple, trichent? Ah, je me garderais bien de dire quoi que ce soit. Ce n'est pas de la claque hein, que j'ai amené non plus les gens qui applaudissent. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Mais, non, mais vous pouvez donner votre avis sur la vie des autres. Je ne peux que répéter quelque chose que j'ai dit en ce début d'émission. D'ailleurs, je salue le plateau qui est remarquable. Nous sommes trop contrôlés. Moi, je suis très réticente pour ces questions d'ordre, une pensée politiquement correcte, une nourriture politiquement correcte, une je ne sais pas quoi encore de politique. Pourtant, vous avez, par exemple, toujours été contre la dépénalisation des drogues douces.
Oh, j'ai changé d'avis là aussi. Allez. Sans blague, oui, bien sûr, vous êtes en retard. Ah, pardon. Ça fait plus de... Enfin, les premiers bouquins que j'avais lus de vous, oui, en tout cas, disaient le contraire. Hein. Mais deux ou trois ans, depuis deux ou trois ans. Ah, depuis deux ou trois ans, donc à 62 ans, on peut être pour la dépénalisation. Oui, tout à fait. Et ça, c'est, vous est venu comment, justement, cette montée de je sais pas, d'esprit libertaire. Par un raisonnement sur ce que je pourrais appeler la démocratie. Il y a des millions de jeunes, maintenant on me dit 30%, qui ont transgressé. Et si les jeunes transgressent la loi, ils vont transgresser les autres lois, donc mettre en cause et en danger la démocratie et la République. Donc il vaut mieux faire une concession de ce côté-là pour réaffirmer ce qui me paraît important, c'est la démocratie qui, comme chacun le sait, est le pire des régimes à l'exception de tous les autres. C'est ça. Mais on n'en connaît pas de meilleur, comme on dit. Vous avez peur de vieillir, pour revenir au sujet? Il y a des moments où j'ai peur de mourir, il y a des moments où j'ai peur de vieillir. Ce n'est pas linéaire, ce n'est pas monolithique, je n'ai pas une doctrine là-dessus. Je peux avoir des bouffées d'angoisse extraordinaires, je peux dire que mon diabétologue a tout à fait raison. Mais j'aime aussi d'autres choses, j'aime pas être enfermé, j'aime pas être trop conditionné, alors ça se mélange. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des possibilités, il n'y a pas de possibilités. Il y a quand même, et on me le reproche, c'est une interrogation critique sur tout ce qui met en cause les libertés de l'homme. Si je concevais un peu mon rôle, excusez-moi d'être pompeuse, ça serait d'être témoin d'iniquité. De l'iniquité. De l'iniquité, de dire quand les choses vont trop mal. Et puis je suis en contact matin et soir depuis 30 ans avec des garçons et des filles qui sont jeunes, beaux et intelligents et qui se détruisent. Ça implique quand même une certaine réflexion sur la vie. Je vais vous mettre en contact maintenant avec un jeune homme de 32 ans qui s'appelle Jean-François Daniska, qui lui aussi prend des produits tous les jours, qui sont des produits illicites également, pas apparentés aux drogues telles que l'entend le monsieur Liebenstein. Qu'est-ce que vous prenez, Jean-François? Je ne pense pas que les produits que je prenne soient illicites. Puisqu'ils sont. On peut les acheter un peu partout. Vous achetez en France? J'achète en Angleterre actuellement. Oui. Parce que pour moi. Qu'est-ce que vous prenez comme produit? Je prends du. C'est le nom qui est donné de ce produit, du pycnogénol. C'est de l'extrait d'écorce de pin maritime, entre autres. Celui que je prends est breveté, avec une formulation spécifique qui le rend hautement bio-assimilable. Pourquoi ceci? Parce qu'il contient... C'est un produit, ça? C'est parce que c'est? Parce qu'il contient des enzymes. Entendu, Jean-François. Je dois juste avoir une précision sur la nature des produits que vous consommez. Est-ce que le diététicien peut nous dire ce que c'est exactement, ce qu'il y a dedans? Oui, le pycnogénol dont parle monsieur, c'est en réalité... On n'a pas le droit de donner les noms des médicaments. Non, mais ce n'est pas un médicament, c'est une substance. C'est un extrait de pin des Landes. Comme DHEA, mélatonine, on peut. C'est encore une chose qui nous vient de la France et qui est un brevet international et américain. C'est autorisé en France? Ah oui, ça, c'est considéré... C'est un antioxydant, c'est un antioxydant particulier. Vous savez qu'il y a des antioxydants particuliers, vitamine E, vitamine A, carotène. C'est un de ces fameux antioxydants. C'est fait avec quoi? De l'extrait de pin des Landes. Ah, de pin des Landes, Le pin des Landes, l'arbre des Landes. Oui. D'accord, j'avais pas compris. Jean-François. Oui. J'aimerais rajouter que cet extrait d'écorce de pin maritime a la particularité d'être beaucoup plus antioxydant que la vitamine E, la vitamine C. 50 fois pour la vitamine E et 20 fois pour la vitamine C. Ce qui est intéressant, c'est de voir que monsieur est quand même jeune, je ne sais pas... 32 ans. 32 ans, et que ça, c'est tout à fait nouveau. Il prend une idée de sa durée de vie, sa vie très lointaine, en charge très tôt. Il n'attend pas d'avoir 40, 50, 60 ans. Ouais. Il dit, je veux... Pourquoi vous faites ça? Parce que j'ai eu l'occasion de faire du sport il y a quelques années. Et j'ai pris davantage conscience de mon alimentation. Et en fait, l'idée, ce n'est pas de vieillir jusqu'à... Enfin, de vivre jusqu'à 100 ans, c'est de vieillir bien. Non, mais moi, ce que je dirais simplement, c'est que c'est à la fois le drame du vieillissement et sa chance. La chance, d'abord, c'est qu'on a maintenant de plus en plus de gens qui ont envie de prendre en charge ce phénomène dès des âges relativement jeunes. Tant mieux pour leur santé à eux et tant mieux pour la santé publique. Et tant mieux pour la santé publique, mais deuxièmement... Le processus du vieillissement est tellement complexe que pour essayer de faire la part des choses et valider tel ou tel produit pris isolément, c'est extrêmement difficile. Et on se retrouve très souvent face à des statistiques sur un cas, c'est-à-dire un ou deux ou trois personnes qui prennent ça. Ça a marché sur Marcel. Oui. Ça a marché sur lui, il est content, mais sur son voisin, ça ne marchera pas forcément parce que le métabolisme n'en est pas du tout au même stade. Est-ce qu'il y a aussi un effet psychologique? Si on y croit, ça marche mieux?
Bien sûr. Ça, c'est connu. C'est pour tout, c'est vrai. Si vous croyez à ce que vous faites, si vous croyez dans tel médicament, même le médicament le plus actif, si vous ne croyez pas dedans, si vous avez un a priori défavorable, il marchera moins bien. Ouais. Et un placebo peut marcher à l'inverse si on y croit fort. L'effet placebo est attenant à toute démarche thérapeutique, à tout médicament, à un médecin. Vous allez voir un médecin en croyant qu'il est fantastique et il sera d'autant plus efficace. Il faut croire dans ce qu'on fait, ça c'est clair. Que pensez-vous de... En gros, en général, de la médecine sauvage, de l'automédication, je disais tout à l'heure, enfin des gens qui se font une idée par eux-mêmes de tous les produits qui sont sur le marché, et puis qui décident, comme Jean-François, comme Jean, comme Jeannie, on s'y met, on s'y met pas. On ne peut pas la rejeter. Il ne faut pas que la médecine dise tout est faux là-dedans. Il y a sûrement une part de vérité. Et en dehors des médecins, il n'y a aucune action. On sait très bien dans des tas d'enquêtes que les gens qui sont responsables de leur santé, qui décident de la prendre en main, qui sont sensibilisés, vivent plus. C'est le premier facteur qui va être le quotient d'une bonne santé. Donc on doit l'encourager, que ça soit une méthode comme ça qui a fait ses preuves scientifiquement, une autre qui ne l'a pas fait scientifiquement, mais dont on pense qu'elle n'est pas défavorable. Il faut encourager toutes les prises en main de chaque personne de sa santé. Et c'est nécessaire vu l'évolution des choses. Il faut que chacun se dise, sa santé, c'est un bien précieux, je dois faire éviter les toxiques, les choses nocives, et faire tout ce qui semble positif pour vieillir en bonne santé. Vous comprenez, Marcel et Emilienne, qu'on se préoccupe de sa santé et de son futur, de son futur dès l'âge de 30 ans. C'est-à-dire qu'on ne peut pas raisonner comme eux, notre âge, c'est tout. Ils ont d'autres idées qui sont bonnes. On ne critique pas. Qu'est-ce qu'il en pense, Marcel ? Ben, je dis que je n'ai pas besoin d'hormones ni de trucs comme ça. J'ai besoin de bombes pot-au-feu. J'ai besoin de bons fricots de moutons avec des pommes de terre ou des pâtes. J'ai besoin d'un bon aioli avec de la morue. C'est bon, etc. Tout ça. C'est bon, mais ça reproche. J'ai besoin d'une bonne bouillabaisse. Etc. Je vous suis. Alors voilà, voilà mes une hormones. Bourride, une bourride. Ce sont mes hormones au quotidien. Ouais. Voilà. Parlez pas d'hormones, mais d'antioxydants. Merci. Une question sur l'âge. Bob, quels sont les plus jeunes adeptes des traitements que vous suivez, à savoir les hormones de croissance, DHEA, mélatonine, dans le centre où vous êtes suivi, quels sont les plus jeunes? Quel âge ont les plus jeunes? J'ai un docteur ici qui a discuté de la question à quel âge il faut commencer. Et bien, selon ces docteurs que je consulte moi, lorsque vos niveaux sont bas, eh bien, à ce moment-là, il faut une supplémentation, un complément d'hormones, mais pas avant. D'accord, mais est-ce que vous avez observé des personnes jeunes qui en avaient besoin et qui donc prennent ces produits ? Oui, j'ai vu des gens, une dame de 18 ans par exemple, qui a un problème pituitaire, de la glande pituitaire, et donc leur hormone de croissance n'est pas suffisante. À part cela, la plupart des gens, la majorité d'entre eux sont dans leurs 40-50 ans. Ah oui, c'est jeune quand même, hein ? Oui. Il y a aussi une chose peut-être qu'il faut signaler, c'est qu'aux États-Unis, qui est aussi un pays merveilleux, mais un pays d'excès, vous avez parfois des gens qui, très jeunes, mettent par exemple leurs enfants à l'hormone de croissance. Et ça, c'est quelque chose de dramatique. Vous avez aussi des gens qui mettent leurs enfants à des régimes restrictifs, sous prétexte d'allonger leur durée de vie, mais qui en fait vont compromettre. Oui, dans un pays où on atteint un maximum de baisse en dessous de l'âge de 10 ans aussi, je pense qu'il y a aussi tout à fait, oui, mais à ce moment-là. Une réaction, quoi. Enfin. Tout à fait, mais vous avez à ce moment-là un régime carencé, vous avez des gens qui sont ensuite pénalisés dans leur croissance. Ouais. Donc on arrive à des choses parfois complètement délirantes. À des abus. Mais 40 ans pour commencer à DHEA, ce n'est pas, dans l'absolu, selon les résultats des tests qu'on a, ce n'est pas délirant. On a déjà parlé tous les deux tout à l'heure. On va maintenant proposer le quatrième reportage de cette émission, je crois, ouais, avec Déa. On vous a suivi donc, Déa, lors de votre deuxième séjour ou troisième alors ? Deux fois pour les injections, une fois juste pour une convalescence. D'accord, donc on va dire deuxième session pour les injections, voilà. De fœtus de mouton. Oui, ce n'est pas des cadavres. Ce n'est pas des cadavres. Humains. Il y a des moutons dans la clinique ? J'espère, mais on ne les voit pas. Ah bon ?
Enfin, c'est des fœtus, remarquez, ils sont pas gros. Hein. On vous a donc suivi lors de votre deuxième séance d'injection. On vous en injecte combien de fois par jour et combien de jours? Deux fois dans la semaine. Deux fois dans la semaine. Une injection à chaque fois. Ok. Donc c'est à Montreux, en Suisse, cette très jolie ville qui se trouve au bord du lac Léman, qui donne un très beau festival de jazz au début du mois de juillet, qu'on va donc partir faire un tour. On va donc voir comment se passe cette semaine, voir comment se pratiquent ces injections de foie de fœtus de mouton. Je vais y arriver, vous êtes petit, foie de fœtus de mouton. Pas grave, tout de suite avec le reportage de Christophe Lancelotti et de Jean-Louis Quirec. On en parle ensuite, derrière. Montreux, en Suisse, la clinique de la Prairie est connue dans le monde entier pour une spécialité hors du commun, les piqûres de foie de fœtus de mouton. Imaginée dans les années 30, la technique dite de revitalisation consiste à injecter au patient un extrait de foie. Le but, redonner à l'organisme humain la vitalité qu'il a perdue au fil des ans et pourquoi pas prolonger la vie. Si vous administrez à des souris en laboratoire que vous groupez de l'extrait de foie de fœtus de mouton, elles vivent 50% plus longtemps. Vous augmentez la longévité de ces souris en ne changeant rien dans leur environnement, en ne changeant rien dans leur nourriture. Elles vivent, au lieu de vivre 24 mois, elles vivent 36 mois. 80% des patients sont fidèles, comme D.A. Chalet, 71 ans, qui vient pour la troisième fois se redonner un coup de neuf et faire en une semaine un bilan de santé complet. Dentiste, gynécologie, ophtalmologie, avant de subir les injections. La moyenne d'âge à la Prairie est de 60 ans. La clinique attire une clientèle soucieuse de son image, soucieuse de bien vieillir, et les techniques anti-vieillissement, bien que parfois très classiques, sont très prisées. On y va ? Une guide pour les pieds ? Ouais. Sentez un petit peu. Bien, je monte. C'est un appareil qui effectue un drainage lymphatique. Il s'adresse à toutes les personnes qui sont enrobées et qui ont besoin d'éliminer leurs toxines et leur surcharge pondérale. Est-ce que vous avez peur de vieillir? Moi? Ouais. Plus, puisque je suis déjà vieille. C'est fini, ça. Est-ce que vous aviez peur alors de vieillir? J'y ai pas pensé. C'est plutôt d'un coup. Ça vous est arrivé à quel âge? Oh, je me souviens plus, alors ça fait peut-être 40 ans. Vous exagérez, là, 40 ans. Ben, je suis trouvée vieille vite, moi. À cause de quoi? Comme ça, parce que j'aurais bien voulu rester extraordinaire, mince. Mais vous êtes toujours extraordinaire. Toute ma vie. Vous exagérez, là. Vous êtes trop à la recherche de la perfection. Ah oui, ça, c'est une perfectionniste, mm-hmm. C'est ça. Parce que vous avez l'impression que votre enveloppe a vieilli, mais vous, au fond de vous, vous êtes toujours une femme jeune, dynamique et motivée. Oui, c'est ça le problème. C'est l'enveloppe qui tient pas le coup. Non, mais ne vous en plaignez pas. Vous cachez votre âge? C'est d'ailleurs, quand on me le demande, je réponds pas. C'est aussi bête que ça. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie. D'abord parce que je fréquente des gens toujours beaucoup plus jeunes que moi, donc tout le monde sait qu'on n'aime pas trimballer des vieux. Donc, s'ils ne le savent pas ou s'ils me donnent 5 ans ou 10 ans de moins, ben, c'est toujours ça bien aimé. Et en une heure, je perds 282 calories? Oui, si vous restez à cette résistance pour une heure, oui. Ah, ça vaut la peine alors. Mais là. Ça, c'est très long, hein. Ah, bah attendez, ça fait une plaque de chocolat, ça. Je vais utiliser ça seulement pour 10 minutes. Attends, exemple, j'en ai déjà perdu 3 là, allons-y alors. Ouais. Mettez un peu plus fort, voilà. Faut que je sois là pour perdre des calories, comme ça. Je vais voir tout de suite, le calorie va changer. Hein. Ouais. Okay. 65 000 francs pour une cure de jouvence d'une semaine. À ce prix-là, la clinique se veut à la pointe de la remise en forme. Elle propose les techniques de gymnastique passive, mais aussi de colorimétrie, puisqu'il paraît que les couleurs agissent sur le bien-être du corps. Inspiration, je vais un petit peu plus fort. Alors, on travaille un petit peu avec le corpus, qui est la colorimétrie. On utilise le vert pour la relaxation, le jaune anti-angoisse, surtout pour, au niveau du foie, et le mauve pour la circulation du sang. Originellement, il y a une cinquantaine d'années, cette gymnastique passive avait été créée par la NASA pour les cosmonautes qui, en état d'apesanteur, ne pouvaient pas faire de gymnastique. Et la gymnastique était faite indépendamment de la volonté des cosmonautes pour remuscler complètement les parties du corps qui en ont le plus besoin. En l'occurrence, pour madame, nous faisons les jambes, les cuisses, les fesses, les hanches, la taille et les bras. Le ventre, ça va? Vous
Vous avez besoin de muscler les jambes, les fesses? Tout. Même le nez. Qu'est-ce que ça vous fait comme sensation, comme effet? Aucune. Les couleurs, aucune. Alors là, je les regarde, elles sont jolies, mais c'est tout. Mais enfin, ça... C'est à l'intérieur que ça se passe, certainement. Vous en êtes sûre? Là, pas tellement, non. Enfin, si on a fait ça à la NASA, il n'y a pas de question qu'on fasse pas sur moi. Non. Pas besoin de publicité pour cette clinique de luxe dont le fonds de commerce est la longévité. La jet set âgée et internationale se passe l'adresse de bouche à oreille. La clientèle croit comme Déa aux vertus des injections. Une fois le bouton, pourquoi pas? Vous y avez cru dès le départ? Oui, moi j'ai des membres de ma famille qui l'ont fait. Une vieille tante, ben, elle a de la peine à mourir. Hein. Elle a 89 ou 10, quelque chose comme ça. Elle marche toujours. Madame Chalet? Fin de séjour pour Déa Chalet. Après la piqûre, les effets du mouton sur son tenus devraient se faire sentir, selon les médecins, durant 6 mois. Madame Chalet, c'est de l'entretien préventif. Voilà. Préventif. Pur. Parce qu'elle mène une vie active, elle mène une vie saine, disons, à part les petits écarts alimentaires. Mais je veux dire, elle mène une vie très saine pour une personne de son âge. Elle bouge quand même, elle nage beaucoup, elle voyage beaucoup, elle se maintient. Elle se maintient. Vous ressentez les effets, là? Ben, pas encore, faut attendre. Voilà, donc le reportage fait à Montreux. Dans une clinique, docteur, bonsoir, qui n'a pas besoin de pub, hein, je veux dire, encore une fois, ça marche bien, les carnets de commandes sont plutôt pleins, il faut réserver à l'avance même, je crois. Certainement. Oui ou non? Bien sûr. Oui. Donc, la publicité se fait de bouche à oreille, c'est comme ça. Pour toutes les bonnes choses, et ça vient surtout du fait que c'est une vieille technique. N'est-ce pas, cette clinique a été le siège de la cellulothérapie qui est aujourd'hui totalement décriée et que nous avons complètement quittée. Nous étions les premiers à quitter la cellulothérapie originale. C'est-à-dire consistait à injecter des cellules fœtales provenant d'un animal à un individu adulte pour le revitaliser. Alors, ce n'est pas des cellules, qu'est-ce que c'est que vous injectez? Alors aujourd'hui, nous sommes arrivés à des résultats supérieurs et mesurables. Ouais. Ce ne sont pas des cellules, ce sont quoi exactement que vous injectez? C'est un extrait de foie. Donc nous prenons uniquement le foie du fœtus. Il doit être petit. Hein. Alors, ce n'est pas si petit que ça. Ah bon? Détrompez-vous, un foie de fœtus est à peu près 3 ou 4 fois plus grand qu'un foie d'adulte, parce que c'est l'organe central de la vie fœtale. Si vous ouvrez le ventre à un fœtus juste avant la naissance, vous constaterez que vous tombez sur un foie énorme. Et disons, la première fois que j'ai vu ça, j'ai comparé ça à mes études quand on ouvrait des cadavres et qu'on voyait des foies de cirrhotiques qui avaient vraiment quadruplés. Donc, ce sont des gros foies. Et pourquoi? Parce qu'ils ont une fonction absolument énorme. Durant la vie fœtale, le fœtus est approvisionné par sa mère et il doit transformer les substances qu'il reçoit en substances propres selon son programme génétique qui est en fait 50% de sa mère, 50% de son père. Donc, il doit faire un énorme travail. Docteur Véli, même question qu'aux autres docteurs. Est-ce que vous l'appliquez à vous-même? Alors, je suis un cobaye parce que, comme je l'ai dit dans l'interview, les souris, on les connaît bien, on sait ce qu'on peut en faire. Et disons, on a pu démontrer des tas de choses depuis 12 ans que nous faisons des recherches systématiques, mais il faut passer à l'humain. Alors, il est clair que pour convaincre des universitaires à faire un protocole comme fait le professeur Beaulieu avec la DHEA, il faut d'abord montrer des faits. Pour convaincre une commission d'éthique, pour faire ça sur la grande échelle, il faut que vous ayez des gens convaincus, disons, Ça fait combien de temps que vous vous en injectez, alors? Alors, moi, j'ai participé à 2 protocoles, donc j'ai fait à peu près la même quantité que Mme Chalet. C'est-à-dire c'est pas énorme. 2 fois 2 injections, quoi. Voilà. Pour tout et pour tout. Voilà, alors moi, je me les suis appliquées en une fois, parce que ça simplifie pour le protocole. Mais vous n'apprenez pas régulièrement, je veux dire? Non. Non. Non, pas pourquoi, encore. Pourquoi pas? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Déa, vous sentez quoi? Parce que vous dites pas grand-chose. Alors, pas grand-chose, ça veut. Mais... C'est entre rien et quelque chose, pas grand-chose. Si on continue d'avoir une joie de vivre, ce qui est énorme. Mais c'est le foie C'est tout. C'est de prendre soin de soi, de se sentir. Oui, mais comme ces injections, c'est quelque chose de en plus, de particulier, qu'on ne trouve pas en France, je crois qu'on ne pratique pas en France. Hein. Non. Ouais.
Mais c'est insidieux, on ne va pas grimper au plafond le lendemain, mais on sent bien, c'est tout. Ouais. Vous sentez plus jeune, plus fort? Non, plus jeune, ce n'est pas le mot, mais enfin, j'entreprends beaucoup de choses et j'ai le courage de le faire, et ça continue. Vous êtes contre la chirurgie esthétique, en revanche? Absolument. Pour quelle raison? Parce que d'abord, je cicatrise très mal, et déjà, je ne m'aime pas trop comme ça, mais si c'était raté, ça risquerait d'être assez tragique pour moi. Vous avez dit que vous fréquentiez également que des gens plus jeunes que vous. Oui. Qu'est-ce que vous reprochez à Marcel et à Emilienne? J'ai pas le plaisir de les connaître. Ah. Si je les avais connus, j'aurais été très fière de les connaître. D'accord. Voilà. Mais j'ai pas beaucoup de centenaires dans mon entourage. D'accord. J'aime beaucoup les gens plus jeunes que moi. Vous avez beaucoup les gens plus jeunes que vous. C'est évident. C'est-à-dire que dans votre cas, Emilienne, comment vous dire? Les gens sont tous plus jeunes que moi. Oui, c'est ça. C'est la solution. Pas forcément dans la tête, mais en tout cas sur le carnet de naissance, sur les deux naissances. Oui. J'aime beaucoup les jeunes. Oui. Ils m'aiment peut-être pas beaucoup, mais moi je les aime. Ah bah oui. Ça le problème, si tout le monde aime les plus jeunes que soi et veut fréquenter que les plus jeunes que soi, qu'est-ce qui se passe pour les jeunes alors? Je sais pas comment ils se débrouillent. D'abord, ils s'ennuient. La plupart s'ennuient beaucoup, plus que les vieux. Vous avez l'impression qu'il y a du racisme anti-vieux? Non, que pas vous en spécialement. Faites, vous, de l'ostracisme? Oui, un petit peu. Vous en faites un petit peu? Un petit peu. Quand ils sont ennuyeux, totalement. Jean et Janier. On ne sent pas vieux. Qu'est-ce que vous reprochez aux vieux? Ils sont ennuyeux, ils se plaignent toujours, ils ont mal partout. Ouais. Bon, pas ceux qu'on a reçus ce soir, en tout cas. Ah ben voilà, vous les avez choisis vraiment, un plateau des dignes d'un roi. Réflexion. Je ne trouve pas de tendresse auprès des jeunes, même autour de moi. Comme j'étais auparavant, on peut tout de même pas comparer. Ils n'ont plus de soucis, ils ne voient pas les choses de la même façon, je leur en veux pas, mais enfin c'est comme ça. Et M. Olivenstein, avec sa bonhomie un peu ronchonne, vous l'inviteriez à déjeuner? J'irais bien déjeuner et manger son lièvre à la royale, il m'a fait envie. Et vraiment, je le partagerais bien avec lui. Si on peut te rappeler ce que c'est, donc c'est un lièvre désossé, farci. Avec du farci, vin, suspendu, faisandé, dans la cuisson dure normalement 8 jours. C'est pas farci aussi, ça, non? Il y a la possibilité de mettre une farce. Une farce de foie gras, il me semble, parfois. Même. On peut mettre du foie gras. Là, ça fait beaucoup. On peut en mettre, oui. C'est excellent. Je vous en prie, monsieur. Est-ce qu'on peut poser une question à mon confrère? Ah, je vous en prie, là, au contraire. Oui. Qu'est-ce qu'il injecte en réalité? Parce qu'un foie fœtal, c'est comme vous l'avez rappelé, c'est quelque chose d'extrêmement riche. Et il doit y avoir, et les gens qui ont bénéficié de ces thérapies sentent un bien-être. Et il est clair qu'il doit y avoir quantité de facteurs de croissance que vous injectez, etc., etc. Mais est-ce que ça a été travaillé? Est-ce qu'on sait un petit peu véritablement la proportion des différentes hormones? Parce que c'est une sorte de mix-up extraordinaire. Alors, c'est un panel de milliers de substances. Et nous sommes en train, parce que pour la recherche, donc pour la pratique, nous injectons un concentré de cet organe qui contient environ 150 mg de protéines par dose. Et puis ces protéines, elles sont analysées, elles sont fractionnées sur des colonnes de Cefadex, et nous arrivons maintenant à voir quelles sont les fractions qui sont les plus actives pour mesurer les choses que nous observons chez l'animal. Alors notamment, nous avons fait des travaux sur le système immunologique, ou sur la défense antitumorale, l'activation des macrophages, donc des choses qu'on peut mesurer en laboratoire. Et nous savons actuellement que les substances actives sont d'un très faible poids moléculaire, et il s'agit en réalité de 3 substances qui permettent d'une manière répétée de réinduire ces effets que nous avons observés. Quelles sont les 3 substances alors? Alors cela, je ne peux pas vous le dire. Ah bon? Parce qu'il faut que nous les patentions et nous vous le dirons après. Donc pas de réponse à votre question alors? Ouais. Et est-ce que vous avez des phénomènes? Vous avez une réponse à votre question ou pas? Ça reste flou, mais ouais. La difficulté, c'est qu'effectivement, comme il y a beaucoup de choses qui sont injectées, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va agir. Oui, quel sera le produit actif, quoi. La difficulté, c'est qu'on est dans un processus de recherche où on devrait avoir les 3 substances, c'est ouais. Plus intéressant, mais qu'en même temps, pour vivre, pour financer cette recherche, on injecte aussi le produit. Il faudrait pour le moment dire, attendons, dans 5 ans, lorsque vous saurez exactement les substances, on les étudiera très bien, on fera des brevets, et on les diffusera. Évidemment, madame, elle va dire, moi, attendre 10 ans que vous saisiez, ça ne m'intéresse pas, je le veux tout de suite. Quel âge ont vos clients les plus jeunes qui se font injecter ces... Moi, je déconseille avant l'âge de la moitié de la vie, donc 45 ans à peu près. Disons. Vous avez quel âge, docteur?
Moi, j'ai 54. Mais... Bah, dans ce cas-là, vous devriez vous y mettre régulièrement. Mais vous savez, ce n'est pas une injection qu'il faut faire tous les jours. Les effets, ils durent longtemps et nous avons mesuré dans le système humain la capacité de répondre. Combien de temps? Alors, moi personnellement, je fais partie d'un groupe où nous avons modifié le profil de la production des cytokines, mes confrères me comprendront. C'est donc une dommage capacité, pour les autres, hein, ouais. C'est une capacité du globule blanc de fournir des réponses avec des lettres. Si vous voulez, c'est comme un jeu de Scrabble où vous avez des lettres pour former des mots et ces lettres, elles s'épuisent. Et le système immunologique et la réponse immunitaire, elles s'épuisent avec l'âge. On se défend moins bien, c'est un peu une grippe question, peut être fatale ou traîner en longueur avec l'âge. Et ça vient du fait que nous manquons de voyelles et que nous n'avons plus que des K, des W d'accord. et des Z. Je comprends la métaphore, hein? Mais ça veut dire qu'une fois tous les 10 ans, ça suffit, quoi. Non, il faut faire plus souvent. Donc, il faut faire plus souvent, docteur. Sur vous aussi, docteur, il faut faire plus souvent, alors. Si on le fait comme on le fait avec les animaux, ouais. hein, donc il faudrait théoriquement injecter les humains tous les 2 ou 3 ans. Et pourquoi vous ne le faites pas sur vous, tous les 2 ou 3 ans? Mais je viens de commencer. Vous avez commencé il y a combien de temps? Il y a une année. Ah oui, c'est tout nouveau comme. Ah, pour moi, c'est tout nouveau, parce qu'avant, moi, j'étais très critique. Ah, d'accord. Donc et je le suis toujours. Donc vous réinjecterez votre dose dans un an. Peut-être quoi. Avant, peut-être parce qu'on va tester des fractions, et puis peut-être autre chose. Disons, moi, je ne suis pas l'exemple à prendre. Mais peut-être jamais plus, si jamais vous apercevez que les produits sont toxiques? Moi, je ne crois pas qu'ils sont toxiques. La nature, elle ne fait pas beaucoup de produits toxiques. Ça, c'est l'avantage. Parce que, disons... Elle en fait quand même, hein. Voyez-vous, si on parle, par exemple, d'interférons... La nature fait-elle les produits toxiques, docteur Liebenstein? Oui, évidemment. Mais les mélanges de la nature, en général, sont bien supportés. Ça, c'est peut-être l'avantage. Parce que si vous prenez, comme en oncologie, l'interféron, pour les hépatites chroniques, on est limité par une certaine toxicité. Et avec ce traitement-là, on a la possibilité, la stimulation endogène. Est-ce que je me fais comprendre? Endogène, oui, qui vient du corps. Donc je stimule, en administrant ce produit, la production propre. D'accord. Et ça, c'est pas mal. On a compris d'autres remarques sur ce traitement? Pas sur ce traitement, mais... Vous connaissiez le traitement? Vous connaissiez ce traitement? Oui, j'en ai entendu, oui. J'en ai entendu parler. La mère de ma femme a commencé ce traitement. Et alors, elle est contente? Enfin, je veux dire, pas en général, mais... Oui, elle était très contente de ce traitement. Quelque chose d'autre, parce que c'est une chose qu'on n'a pas évoquée, au fond, et c'est quelque chose qui est sous-jacent à cet aspect du vieillissement, c'est la perte d'autonomie. Car en réalité, là, nous avons deux centenaires qui sont tout à fait autonomes, et dans les différents reportages que vous avez montrés, vous avez insisté là-dessus. Mais surtout sur monsieur. On le voit passer, faire son ménage, etc. Mais nous, en fait, on a filmé sa vie. Hein. Oui, il fait son ménage tout seul, une fois par semaine. C'est remarquable. Et vieillir tout en étant autonome, c'est parfait. La réalité et la difficulté que nous avons, nous, en tant que praticiens, c'est lorsque nous sommes face à des gens qui vieillissent mal et qui perdent leur autonomie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire perdre son autonomie? Ça veut dire avoir besoin de l'assistance d'une tierce personne pour ses besoins au quotidien. Et quelque part, c'est une chose qui est sous-jacente et qui n'a jamais été dite jusqu'à présent, c'est que prendre en charge son vieillissement, c'est essayer de diminuer la probabilité de se retrouver dépendant un jour ou l'autre, que ce soit suite à un problème physique ou intellectuel. Car le problème de la démence, la maladie d'Alzheimer, est quelque chose qui effectivement peut toucher tout corps vieillissant. Et à ce moment-là, l'enjeu, tout bascule. Nous naissons avec un capital santé et nous devons le gérer, ce capital santé. Il y a quantité de moyens de le faire, il y a quantité d'approches différentes, mais quelque part nous avons ce devoir, et je crois qu'aucun de mes confrères ici ne me contredira, il faut essayer de prendre au maximum en charge les gens, le plus tôt possible, dès que la demande en fait survient, pour éviter de rentrer ensuite dans ce cercle vicieux qui est extrêmement péjoratif pour les gens, qui est très coûteux pour la société, car c'est ça qui coûte cher. Et quand on a perdu son autonomie, généralement, il est trop tard quoi, pour la recouvrer. Quoi. Alors, de temps en temps, on arrive à faire des choses miraculeuses, ouais. Parce qu'il y a des gens, effectivement, qui ont des maladies qui évoluent depuis longtemps, dont le diagnostic n'a pas été forcément porté, et il suffit de mettre un traitement en route, et vous avez des gens qui, littéralement, ressuscitent. Ouais, d'accord. Très bien, c'est la fin de cette émission. On va écouter l'avis de Marie-France Pizier. Si vous voulez bien, Marie-France, venir nous rejoindre ici, sur ce plateau, sous les applaudissements du public attentif et chaleureux.
Marie-France qui est donc venue nous apporter son regard d'observatrice extérieure au débat et qu'on retrouve également à l'affiche d'un film de Raoul Ruiz d'après l'œuvre de Proust, s'appelle Le Temps Retrouvé. Pour l'émission, c'était bien Le Temps Retrouvé. C'est parfait. À la recherche du temps perdu également, qui était donc en compétition à Cannes avec l'accueil qu'on connaît et qui est sur les écrans depuis mercredi. Alors Marie-France. C'était absolument passionnant. Ah bon? Ah oui, oui. J'ai plein de choses à dire, malheureusement. Allez-y, c'est pas votre temps. Alors d'abord, ce que je voulais dire, c'est que moi, il y a une des plaisanteries qui m'amusait le plus et qu'on disait autour de moi, c'est la première cinquantaine la plus dure, après ça va mieux. Et ben, j'ai l'impression que maintenant, c'est en train de changer. On va dire, c'est la première centaine la plus dure, et c'est après que ça va mieux. Donc on voit bien l'évolution des choses. Je prends souvent des médicaments. Je voulais dire que, par exemple, j'avais reçu par la Poste une publicité pour le DHEA et la mélatonine. La Poste, ça venait de Suisse. Et j'ai rempli mon formulaire, j'ai envoyé le truc en Suisse, il m'est revenu vous voyez comme ça circule. C'est quand même assez singulier. Vous avez essayé, Alors, j'ai essayé la mélatonine, ça m'a strictement rien fait. J'ai pas dormi, c'était censé être pour dormir. Mais j'ai plein d'amis qui prennent l'avion et chez eux, ça marche très bien. Bon, chez moi, ça marche pas. DHEA, j'ai pas encore osé, j'ai pas parlé au professeur Beaulieu, donc je vais essayer de savoir. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce qui est très... Je pense que c'est très, très ludique et très beau, l'idée comme ça, de par des chemins de traverse, d'essayer de faire un pied de nez à la fatalité, à Dieu, au ciel, et de prolonger un petit peu la vie. En même temps, évidemment, que c'est un petit peu dangereux, parce qu'on sait aussi que le plaisir de la vie, c'est quand même de savoir, d'être porteur du fait qu'on est quand même En sursis, qu'on va mourir et qu'en particulier, il y a une chose et qu'il faut quand même l'accepter, qu'il faut quand même le gérer, il faut quand même vivre avec ça, même si on a envie de le prolonger. Et en particulier, je pense que tous les artistes, enfin, c'est une émission qui ne parlait peut-être pas assez, à mon avis, de spiritualité, parce que dans Le Plaisir de Vivre, il y a ça aussi. C'était quand même une émission très matérialiste sur le corps et sur la nécessité que le corps résiste. On ne parlait pas des souffrances morales, Et je pense que tous les artistes, toutes les œuvres d'art se font dans une relation avec la mort. Et c'est comme ça. Et si par exemple, Proust a réussi à aller jusqu'au bout de son œuvre, c'est parce qu'il savait qu'il lui restait quelques jours à vivre et qu'il fallait qu'il tienne le coup pour mettre le dernier point à la recherche du temps perdu. Mmh. Alors, peut-être que si on avait eu toutes les choses formidables qu'on a apprises aujourd'hui, il aurait pu faire une œuvre supplémentaire. Donc, je suis à fond pour qu'on fasse tout ce qu'on peut pour y aller, enfin, pour durer le plus longtemps possible et tout ça. Et dans de bonnes conditions. Dans des bonnes conditions. Cela dit, par rapport à ça, je veux dire, tout le monde ici dit que ce qu'il y a de terrible, c'était, vous le disiez très justement à la fin de l'émission, là, vous m'avez un peu coupé l'herbe sous les pieds, ce qui est terrible, c'est quand même de vieillir dans la souffrance et tous ces gens. Enfin, bref, je suis absolument épouvantée par un truc qui s'appelle l'acharnement thérapeutique. Je pense qu'autant on a la liberté et le privilège, si vous voulez, de vieillir plus gaiement, plus favorablement, autant les gens qui sont quand même devenus ce qu'on appelle en gros des légumes, ou en tout cas qui souffrent terriblement, et physiquement et moralement... C'est le dernier degré de la perte d'autonomie, quoi. On devrait vraiment faire ce balancement dans la société, d'aller de l'avant pour aller mieux, si vous voulez, dans la vieillesse, mais ceux qui n'y arrivent pas, vraiment ne pas les obliger à cette chose absolument épouvantable. Et si j'allais même jusqu'au bout de ce que je pense... Vous iriez jusqu'à l'euthanasie. Voilà, je dirais que les gens qui, en cours de route, ont envie de descendre, qui en ont vraiment ras-le-bol, je ne vois pas pourquoi on les obligerait non plus. Et ça, c'est des choses qu'il faut intégrer, je veux dire. Bon. Ouais, bref, je pense qu'il faut... Un jour au contrôle des décès, comme on a fait le contrôle des naissances en 1950, on arrivera peut-être un jour au contrôle des décès. Encore un mot, Marie-France ? Non, je voulais dire ça. Je voulais dire que c'était... tous ces gens étaient formidables, que cette dame était absolument exquise, et que... Et que je voulais dire que c'était beau, quoi, tout ce qui se passait en ce moment, que c'était formidable, mais qu'il fallait quand même faire très attention, que le docteur Olivier Einstein, que j'admire et que j'adore, a raison de dire de temps en temps, peut-être qu'il ne faut pas se laisser embrigader non plus dans des... C'était la dimension morale et philosophique. Dans des choses trop dures comme ça. Ouais. Mais enfin, luttons quand même pour aller de mieux en mieux et être en forme. D'accord. La semaine prochaine. Merci. T'es avec moi, Francis ? Francis est avec moi. La semaine prochaine, nous parlerons des séquelles de l'enfermement. Peut-on sortir de l'enfermement, évidemment, au sens imagé du terme ? Nous recevrons des religieux cloîtrés dans des monastères, d'anciens otages, d'anciens prisonniers, pour essayer de comparer leur longue période d'incarcération ou de réclusion ou d'enfermement et voir dans quel état d'esprit on peut se reconstruire ou pas un état d'esprit d'homme libre. Merci de votre attention. À mercredi prochain à partir de 22h45. Bonsoir.